Je vous propose de commencer ce conseil avec le dépôt du procès-verbal de la séance publique du 22 avril 2024 qui, sans observation, sera considéré comme adopté en fin de séance publique. Mesdames, Messieurs, chers collègues, nous avons le plaisir de mettre à l'honneur 5 policiers domiciliés dans notre entité et qui sont tous porteurs de l'insigne d'honneur d'or octroyé par l'Institut royal des élites du travail. Cette institution avait décidé, pour la promotion 2023, de mettre le secteur service des polices et de sécurité civile à l'honneur. On ne mesure jamais assez l'importance de ces métiers dans le respect du vivre ensemble et de nos valeurs démocratiques. Pour avoir l'honneur de présider la zone de police du Tournaisis, je puis vous dire que ces femmes et ces hommes réalisent leur travail difficile avec un grand professionnalisme et une éthique de tous les instants. Ce soir, nous mettons à l'honneur Olivier Biot, Michel Gallo, Paul Gates, Hugues Lebedel et Fabrice Léonard. Monsieur Olivier Biot est âgé de 54 ans. C'est un homme de terrain au sein de la police locale du Tournaisis. Après avoir œuvré à la brigade d'intervention, cet inspecteur principal est désormais à la police de proximité à Tournai-Centre. Il est domicilié Mont-Saint-Aubert. Michel Gallo est un policier détaché de l'académie de police du Hainaut à Jurbise. Domicilié à Avine, il y est formateur en technique d'intervention, notamment pour la maîtrise de la violence avec ou sans armes. Il forme aussi à la manipulation des armes. Paul Gates est inspecteur principal à la zone de police du Tournaisis. Cet homme, âgé de 57 ans, occupait une fonction au service roulage avant d'être en charge des pièces à conviction effectuées lors des saisies. Il réalise le lien entre la justice et la zone de police. Monsieur Gates est absent ce soir pour cause de maladie. Monsieur Hugues Lebedel est actuellement chef de la zone de police locale des Collines. Après avoir occupé des fonctions à la police judiciaire fédérale Mons-Tournai et dirigé l'académie de police du Hainaut à Jurbise, ce Quénois âgé de 57 ans est revenu en première ligne dans cette zone de police particulièrement étendue. Fabrice Léonard est inspecteur principal à la police fédérale de la route. Habitant Tournai, il ne peut malheureusement être parmi nous car il est en service actuellement, mais je le rencontrerai demain. Messieurs, au nom de ce conseil communal et de la population, je tiens à vous remercier pour votre implication quotidienne dans vos diverses fonctions et aussi pour votre belle carrière couronnée par cet insigne honneur. Je vous remets avec plaisir le diplôme accompagnant votre insigne d'honneur d'or. Merci beaucoup. Si vous pouvez vous avancer. Monsieur Biot, s'il vous plaît. Je vous donnerai le micro après. Je vais d'abord donner les différents cadeaux. Félicitations. Monsieur Lebedel, j'ai eu du mal à le dire plusieurs fois. S'il vous plaît. Félicitations. Paul Gates est souffrant. Non, il est souffrant. Ah. Et enfin. Monsieur Michel Gallo, s'il vous plaît. Félicitations. Cassez pas tout de suite. Oui, mais vous souhaitez prendre la parole? Je vous en prie. Allez, faites ta photo. Vous êtes content, il y a sa photo. Christophe. Quelqu'un souhaite le micro ? Allez, je vous remercie. Bonsoir à tous. Je ne vais pas être très long, j'avoue ne pas avoir préparé de discours. Je voudrais juste dire merci pour cette reconnaissance. Merci à tous nos proches qui nous accompagnent. Et un merci tout particulier à mon chef de service présent ici ce soir. Et lui dire merci, car c'est grâce à lui que j'ai cet insigne d'honneur. Il a voulu me valoriser pour la qualité de mon travail. Et je voulais lui dire merci parce que nous sommes dans un métier où on n'est pas toujours remercié. Et donc avoir un merci de sa hiérarchie, c'est toujours appréciable. Merci. Merci.
Merci à tous. Vous savez que la police est souvent au centre des débats. Et en plus, cette année particulière, on parle beaucoup de police, de renforcement de la police, etc. Donc je tiens à féliciter mes deux collègues ou mes quatre collègues, puisqu'il y en a deux qui sont absents aujourd'hui. Et je vous remercie vivement pour vos applaudissements dans le cadre de cette reconnaissance nationale. Merci à tous. Mais je serai plus bref. Je voudrais vous remercier pour cette reconnaissance. Merci. Alors, le Conseil communal prend connaissance des documents suivants mis en annexe. Le courrier de réponse adressé par Mme Tellier en réponse à la motion de soutien aux agriculteurs, ainsi que le courrier de M. Borsu. Nous aurons tantôt les questions d'Emmanuel relatives à la qualité de l'air dans le Tournaisis, en particulier dans les zones affectées par les activités industrielles telles que Gorin, Avin, Béclé et Vaud, de Mme Marguem relative à l'état du boulevard Eisenhower, ainsi que de Benjamin relative à l'utilisation des points d'apport volontaires. Le point 2 appelle... Benoît, t'excuser, Ludivine et Didier. Merci, excuse-moi. On en arrive à la prestation de serment du directeur général en séance du 22 avril 2024. Le Conseil communal a décidé de nommer à titre stagiaire M. Pierre-Yves Mesdac au grade de directeur général avec effet au 1er juillet 2024. Avant d'entrer en fonction, l'intéressé doit prêter serment en séance publique, chose qui sera faite d'ici quelques instants. Je vous en prie, M. Mesdac. Oui, je vais avoir du mal. Hein. Vous pouvez venir ici ? Non, venez ici. Hop. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Tant que j'ai le micro, je vais vous le rendre, peut-être pour ne serait-ce que vous présenter quelques instants. Et après, je vous assure, je ne vous embête plus d'ici le 1er juillet. Merci, Monsieur le Bourgmestre. Et c'est un grand, grand honneur et beaucoup de plaisir et de motivation que je prends cette fonction directeur général, qui est une fonction qui est évidemment essentielle pour une ville comme Tournai. Tournai, c'est vraiment une ville dans laquelle je me suis senti tout de suite accueilli, qui a un patrimoine exceptionnel, et tous les échos que j'en ai ne sont que positifs. Donc j'ai vraiment hâte de prendre les fonctions à partir du 1er juillet. Et je vous remercie tous d'avoir fait confiance à quelqu'un, à Carolo, qui est peut-être un peu plus loin, mais ça me fait vraiment plaisir d'être parmi vous. Et j'ai vraiment hâte de travailler tout le monde ensemble au bénéfice de tous les citoyens de Tournai. Voilà, merci beaucoup. Merci aussi. Tant que nous y sommes pour les prestations de serment, en séance du 22 avril 2024, le Conseil communal a décidé de nommer à titre stagiaire M. Nicolas de Zablin au grade de directeur général adjoint avec effet au 1er juin 2024. Attendez, il n'a pas encore pris le serment. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Félicitations. Voilà, bon, vous me connaissez un peu déjà depuis un petit moment. Voilà, je tenais à vous remercier vraiment pour la confiance dont vous me faites part. Voilà, je continuerai bien évidemment à m'investir. Je pense qu'avec Pierre-Yves Maissat, on formera une très bonne équipe. On va apprendre à se connaître, on a déjà fait un petit peu. Voilà, et alors je tenais aussi à remercier particulièrement ma famille qui m'a soutenu aussi, parce que bon, c'est quand même un investissement de tous les jours. Et donc voilà, encore merci à tous. D'accord.
Comme tu veux t'investir, je te propose de retravailler tout de suite. Par contre, si je peux rendre le micro peut-être. Merci beaucoup. Alors, point 4 à 8, ce sont des créations d'emplacements PMR. Pas de problème. Merci beaucoup. Point 9 à 11, c'est de la suppression d'emplacements PMR. Au revoir à tous et à toutes. Pas de problème. Au point 12, c'est à la terrasse de la Madeleine concernant un point d'apport volontaire et une interdiction de stationner. Madame Martin. Voilà. Nous n'avons pas reçu de réponse le mois passé quand on vous a demandé combien d'emplacements de stationnement étaient supprimés depuis le début de cette mandature. Est-ce que vous avez la réponse cette fois ? Non, on vous le donnera de façon écrite. Je suppose qu'il s'agit d'un oubli. Pardon ? Je suppose qu'il s'agit d'un oubli, on vous l'enverra de façon écrite. Bien, bon, on comprend la demande ici pour le stationnement, mais on veut absolument une réponse. Donc, en attendant, on s'abstiendra de voter ce point. Jean-François, à moins que tu aies la réponse. Simplement, pour que les choses soient bien claires et pour que la réponse du service soit la plus exhaustive possible, votre demande, elle concerne les places supprimées physiquement. Donc, c'est-à-dire que si je prends l'exemple de la rénovation de la rue Royale avec un espace public plus grand, plus important pour les uns et les autres, il y a peut-être eu, la place Crombet et autres, il y a peut-être eu une diminution de places. Ou alors, vous parlez des places qui existent toujours, mais pour lesquelles on a attribué une fonction bien précise, à savoir que ce sont plus des zones blanches, mais ce sont des zones destinées prioritairement aux riverains, aux travailleurs ou à toute personne restant ou stationnant en zone bleue. Parce qu'il y a quand même une nuance importante, évidemment, dans votre question. Donc, en fait, moi, je vous pose la question, parce que je ne sais plus sous quelle forme la formuler, parce que déjà précédemment, j'ai posé cette question-là. En fait, ce que je voudrais savoir, c'est combien de places de stationnement il y a dans Tournai. Il y avait au début de la législature et il y a maintenant, que ce soit en zone, en détaillant, combien en gratuit, combien en zone bleue, combien en eurodateur. Oui, je me doutais du coup, maintenant que je précise, je me doutais effectivement que vous allez venir sur ce terrain-là. Donc, on demandera effectivement aux services qu'on puisse vous amener les places. Mais quand je lis parfois dans la presse plus de 500 places ou 400 places supprimées, c'est faux. C'est des places pour lesquelles on a donné une affectation pour protéger les uns et les autres. Donc, les places de stationnement réellement supprimées, ce sont celles pour lesquelles on a agrandi l'espace public pour les différents utilisateurs. Mais on va donc vous apporter cette précision. Et donc, on va le poser autrement. Donnez-nous combien de places. Oui, j'ai compris, Madame Martin. C'est bon, voilà, ça va aller. On vous l'enverra par écrit. Au point, vous votez pour ou contre, madame ? Abstention ? Ok. Point 13, règlement complémentaire communal à la rue Bayard à l'opposé du numéro 15, entrée à Barra, interdiction de stationner. Pas de problème ? Abstention aussi, pour les mêmes raisons. Ouais, enfin, j'ai du mal à comprendre, mais pas grave. Rue Guillaume Charlier, canalisation de la circulation, avec la proposition d'un Nilo directionnel style goutte d'eau. Pas de problème. Point 15, à la rue du Moulin de Calonne à Blandin, canalisation de la circulation et limitation de tonnage. Pas de problème. Je vous remercie. Au point 16, c'est le règlement complémentaire pour Eplechin, rue Marèche. C'est une division de chaussée. Pas de problème. Je vous remercie. Au point 17, règlement communal sur les chantiers en voirie. C'est une modification. Benoît. C'est OK pour cette adaptation de la réglementation. Force est de constater que l'actuel n'est pas systématiquement respecté. Quant à la sécurisation des plus faibles, à savoir les piétons et les PMR, le plus souvent, la seule préoccupation de celui qui a placé la signalisation l'est pour les véhicules, obligeant les plus faibles à circuler sur la voirie à leur risque et péril. Et que dire des signaux mentionnant la limitation à 30 km/h en zone de rencontre, où c'est 20 km/h maximum, est le comble de tels signaux pour des chantiers dans le piétonnier, donc limitant la vitesse à 30 km/h dans le piétonnier. Alors, petit rappel, pour l'intramuros, ces panneaux 30 km/h sont aussi redondants. Voilà.
Merci Benoît, je trouve que tu as parfaitement raison, mais il ne faut surtout pas hésiter, quel que soit le conseiller communal ici, de nous parfois reporter des choses que vous pouvez voir. Je l'ai constaté cette semaine à la rue Saint-Martin, et c'est parfois notamment un oubli des différentes sociétés, mais je pense que c'est à nous, à un moment ou à un autre, de faire en sorte de faire remonter via les chefs de chantier l'information. Merci beaucoup. Unanimité, je suppose, pas de problème, Madame Martin ? Ça va comme ça, le micro ? Oui. Déjà qu'on n'est pas favorable aux sanctions administratives parce qu'on considère qu'elles empiètent sur les compétences de la justice, modifier un règlement pour ne pas devoir y chiffrer le montant d'une amende sous prétexte que la loi imposant un maximum peut changer. Alors, nous, on trouve que c'est entretenir l'opacité. Je ne vois pas pourquoi on ne cite pas on refuse de citer les montants dans le règlement. Et parce que la loi ne change quand même pas si souvent que ça soit un problème de revenir devant le Conseil communal en modifiant cet article-là. Et donc, comment donc on va voter contre. OK. Merci. Au point 18, c'est l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés au sein des communes. C'est une information, il n'y a pas de vote. Et quand vous le voyez, la ville de Tournai respecte en tout cas plus que ses obligations. Pas de problème, merci beaucoup. Au point 19, c'est la délégation du conseil communal au collège communal. Approbation, pas de problème. Allez-y, Madame Martin. Alors, nous estimons que que ça soit engagement, licenciement même licenciement pour motif grave, ça peut être très bien traité dans la partie huis clos du conseil communal, où on le traite en bulletin secret, ce qui limite d'éventuelles possibilités de pression du politique sur le personnel communal. Alors, nous sommes pour la politique la plus démocratique et la plus transparente, et nous votons contre votre nouvelle demande de délégation de compétences, comme on l'a déjà fait à notre premier conseil communal. Le problème, il n'est pas là, et il n'est pas question de faire pression ou pas pression. Le problème, c'est que je pense que celui qui a pris ce système-là en matière de justice, à mon avis, ne connaît pas très bien le fonctionnement d'une commune, parce que nous a imposé un nombre de jours aussi peu important pour prendre une décision, il faut déjà pratiquement 8 jours pour convoquer un conseil communal. Or, on nous demande ici de prendre une décision dans les 3 jours. Il faudra m'expliquer comment faire. Ça, je dois dire que celui qui a pondu ce genre de choses, à mon avis, ne connaît pas très bien comment fonctionne une commune. Mais ce qui m'étonne, c'est que quand vous avez introduit cette demande de délégation au tout premier conseil communal, ce qui m'étonne, c'est que toute l'opposition s'est opposée à votre demande de délégation. Oui, mais je n'entends plus ici de réaction. Le seul changement, c'est qu'ici, justement, il y a un juge qui, à un moment donné, a cru bon de donner raison à une personne pour qui nous avions donné un préavis pour des faits graves. Et ces faits graves ont été requalifiés par le juge. Et non seulement ils ont requalifié, mais sur le fond, il nous a dit que nous n'avions pas la possibilité, nous, collège, de le faire. Ben, si le collège, qui normalement se réunit toutes les semaines, ne peut pas le faire, alors qu'un conseil communal se réunit une fois par mois, et qu'il faut déjà quasiment, de par la loi, plus d'une semaine pour les convoquer, il faudra m'expliquer comment je peux mettre quelqu'un qui aurait commis des faits grave dehors si, de toute façon, il faut le signaler dans les 3 jours. Moi, je ne sais pas comment faire. Et je vous dis, je pense qu'au niveau de la justice, il y a parfois des personnes qui planent un tout petit peu. Vous vous abstenez? Vous votez contre? On vote contre. Les autres? Pardon? Nous sommes d'accord. OK, je vous remercie. Au point 20, c'est la mise à jour du cadre du personnel au niveau du CPS. Pas de problème. Au point 21, c'est une information. Madame Martin, je vous avais oublié. Excusez-moi. Alors, c'est au niveau du cadre. On est au cadre du CPS, là, hein, et on n'aurait pas un problème avec cette modification du cadre. On comprend bien que c'est pour correspondre au nouveau statut. Mais en même temps, ça correspond à une forte diminution, tant pour les employés que pour les manœuvres et auxiliaires professionnels. Et pour cette raison, le PTB ne peut pas marquer son accord. Donc nous votons contre. OK, je vous remercie.
Au point 21, c'est donc une information concernant le rapport d'activité 2023 de la Commission locale pour l'énergie. Il n'y a pas de vote. Au point 22, c'est le déploiement d'Internet à haut débit. C'est un modèle type de contrat de bail approbation. Pas de problème. Je vous remercie. Au point 23, ce point 23, peut-être 24, on peut peut-être les lier. C'est l'un pour les élections au niveau de la caserne Rucois au point 23 et l'autre au Mont-Saint-Aubert pour la salle paroissiale. Pas de problème. Je vous remercie. Au point 25, c'est le convention de bail avec prestation de service au profit de la ville. Réserve des musées. C'est pour ce point-là ? Pour le point que je suis en train de... Ok. Benjamin. Oui, évidemment, c'est un point qui m'intéresse habituellement. Non pas que les autres m'intéressent moins, mais c'est une difficulté récurrente que connaissent nos musées de trouver des infrastructures pérennes, en bon état. Et donc, je vois avec attention que, je lis avec attention que, bon, il est question de prendre en location un bâtiment pour y stocker nos collections. Il est important, effectivement, que nos collections soient remisées dans de bonnes conditions de préservation, de conservation. C'est donc un point sur lequel je ne peux qu'applaudir. J'ai quelques questions, néanmoins, que suscite ce point. Notamment, il est question de louer ce bâtiment jusqu'à mise à disposition, dit le procès-verbal, d'un monobloc, du bâtiment monobloc. De quoi parle-t-on ? Vous pourrez sans doute m'éclairer. Ensuite, j'apprends qu'on est en train de mettre en caisse les collections du musée des Beaux-Arts. Je suppose que c'est parce qu'on va bientôt, ou je l'espère en tout cas, mettre ce bâtiment en conformité ou en tout cas faire le nécessaire pour préparer de tels travaux. Mais ça ne répond pas à la question du devenir de ce bâtiment et du devenir surtout des collections de ce bâtiment. Certes, ici, il est question de mettre en réserve ces collections dans un bâtiment dont on parle ici de la location. Très bien. Mais alors, quel est le devenir des collections du musée d'histoire et d'archéologie ? Je me souviens que vous pouvoir poser la question à un récent conseil communal à Sylvie. On m'a répondu que l'ancienne poste n'était plus une piste suivie parce que vous aviez trouvé une autre piste plus sérieuse et plus pérenne puisqu'il s'agissait d'acheter un bâtiment. Je m'interroge de savoir si vous avez pu depuis lors progresser et si vous pouvez nous en dire davantage, parce que je ne voudrais pas qu'on se retrouve dans une situation où les collections du musée d'histoire et d'archéologie soient mises en caisse dans ce bâtiment en location et puis que finalement, pour le reste, on ne voit plus rien venir avant longtemps. Donc j'aimerais quelques explications qui pourraient, je l'espère, nous rassurer. Je voudrais également savoir si l'allocation envisagée permettra de stocker l'intégralité des collections qui nécessitent un point de stockage central. Je pense aux collections du Musée des Beaux-Arts, de nos autres musées, voir si vous avez pu voir grand ou s'il s'agit d'une mesure temporaire et qui n'offre qu'une solution partielle. Je suppose que non. J'attends vos réponses et je vous remercie d'avance. Ok. Manu. Eh bien, donc, je ne vais pas faire une redite de Benjamin, mais lors du dernier conseil communal, vous avez évoqué un projet d'achat d'un bâtiment pour la relocalisation des musées d'archéologie et d'histoire militaire. Nous attendons donc également de voir ce qu'il va devenir ce projet. Et moi, plus spécifiquement, c'est concernant les collections du musée d'archéologie qui est fermée depuis le 4 mars 2022. J'aimerais savoir si toutes les pièces qui étaient exposées seront entreposées dans ces espaces de location chez Idéta, ou seulement une partie. Car en effet, selon mes retours, une partie de ces collections appartiendrait à la Société tournésienne de géologie, préhistoire et d'archéologie. Pouvez-vous m'en dire plus à ce sujet-là ? C'est juste. Monsieur Lebrun. Monsieur le Bourgmestre, moi je me posais simplement la question, est-ce que ce sont des bâtiments qui ont une caractéristique spécifique pour pouvoir conserver ce genre de biens, ou si c'est un entrepôt totalement traditionnel et que ces collections n'ont pas besoin forcément de quelque chose de bien spécifique. Et la deuxième question, c'est, je vois qu'effectivement c'est un contrat de 4 ans, ça veut dire qu'on risque de ne plus avoir accès à ces collections pendant 4 ans, du moins visibles au tout public.
qu'on n'imaginerait pas, à un moment donné, faire des, comme on fait des pop-up stores, des pop-up musées, et exposer certaines pièces, certaines collections, notamment dans certains endroits de la ville. On peut imaginer l'hôtel de ville, on peut imaginer d'autres musées, on peut imaginer le conservatoire. Enfin, voilà, un petit circuit qui permettrait aux touristes de quand même pouvoir observer les collections. Sylvie. Marché de Noël. Non, on ne touche rien. Oh, pardon. Ça va, j'entends ? C'est bon ? Oui. Je vais peut-être commencer tout de suite par la dernière question. Donc, pour évidemment entreposer des réserves de musées, il faut des conditions spécifiques, entre autres en climat, en sécurité. Donc, tout ça est bien prévu dans le nouveau bâtiment qu'on va louer ici. C'est la ville qui va aménager ça. Alors, l'idée d'un pop-up, c'est une bonne idée. C'est vrai de pouvoir faire en sorte que le public puisse encore avoir accès aux pièces. Mais j'ai quand même bon espoir que d'ici 4 ans, on ait l'occasion de réaliser le musée d'histoire et mémoire dont on parle. Et donc, voilà, ce serait une bonne idée. Mais j'espère bien qu'on pourra concrétiser ce musée avant 4 ans. Alors, Benjamin, donc tu nous parlais de monobloc. Hein. Donc, par rapport à la location, donc monobloc, je ne sais pas, ça m'étonne que tu n'en aies pas encore entendu parler. C'est un bâtiment qui appartient au CPAS et dans lequel on a le projet de regrouper les archives et des réserves de musées. Mais il est toujours en projet de travaux, ça a pris du retard. Donc, c'est pour ça qu'on a loué ce local ici à Idéta. Dans ce local, donc loué à Idéta, il y aura toute la collection du musée d'archéologie. Il y aura une partie des collections du musée des Beaux-Arts. Tout ce qui est comment, mobilier, verrerie, des choses comme ça qui ne risquent pas d'être contaminées éventuellement par d'autres collections. Et il y aura aussi une partie de ce qui est aussi papier et verre du MUFIM. Parce que c'est quand même un grand espace. C'est peut-être l'occasion de rebondir sur ce qu'a posé comme question. Donc, toutes les collections du musée d'archéologie vont bien à cet endroit. Oui. Même celles qui ne sont pas propriétés de la ville. Voilà. Oui. Avec la STGPA, il y a un accord sans problème. Ok. Ouais. Sauf que je suppose que les propriétaires les redemandaient. On a eu des échos inquiétants, c'est pour ça que... Ah, en tout cas, moi, je n'en ai pas eu. S'ils sont peut-être mieux informés que moi. Ok, on verra. Et donc, oui, concernant le nouveau musée, donc, puisqu'on n'ira pas, enfin, on n'ira pas pour le moment, on est toujours en train d'examiner la possibilité de l'autre lieu, donc, hein, pas l'ancienne poste, mais l'autre lieu. Ça ne fait jamais qu'un mois qu'on en a parlé, je crois, donc c'est au... Donc, voilà, il faut le temps au temps, hein, vous savez comment ça fonctionne. Et donc, là, je ne peux pas vous en dire plus pour le moment, mais on continue les recherches et les études. Voilà, j'ai encore d'autres questions ? Je pense que j'ai déjà tout dit. Je pense que tu as répondu à tout. Il me semble aussi. Mais par contre, je ne sais pas quel est votre vote. Oui, pour. Oh, oui. Tout le monde, Madame Marien, hop. Appuyez sur votre bouton. Puis, voilà, attendez, touchez plus à rien. Hop. Voilà.
non, mais vous avez tout à fait raison, et par rapport à... Oh, pardon. Vas-y. Non, c'est, oui, vous avez raison, mais je me suis souvenu qu'il y avait une question de Benjamin auquel je n'ai pas répondu par rapport à la collection du Musée des Beaux-Arts pour le déménagement. Et donc, c'est prévu que la Fédération Wallonie-Bruxelles mette à disposition un bâtiment pour pouvoir y entreposer les œuvres les plus précieuses. Et évidemment, on devra encore trouver, sans doute, encore un autre lieu de stockage pour les œuvres un peu moins importantes. Voilà. Ah, donc vous allez faire deux catégories. Oui. Le Manet ne va pas se retrouver à monobloc. Non. Non, mais par contre, vous avez raison, un, sur le terme sécurité, deux, on réfléchit vraiment avec le CPS pour que la solution soit une solution de sécurité. On a même une réflexion encore plus poussée que le simple monobloc. Et ensuite, vous avez dit quelque chose? Oui, par rapport au fait que la solution provisoire ne doit pas être une solution qui soit définitivement peut-être... définitivement provisoire, mais en tout cas dans l'état actuel des choses, c'est certainement pas une volonté de notre part. Il est clair que la future majorité devra certainement se prononcer, mais très honnêtement, je vois vraiment pas quelle majorité pourrait se prononcer pour dire que tous nos joyaux, on va les laisser en cave et jamais plus les sortir. En tout cas, ce ne sera pas mon cas. Benoît, si tu veux la parole, tu dois appuyer sur le bouton. Je sais que tu es un jeune conseiller, mais je dois toujours... Simplement, pour ce qu'il en est des Manet et autres, on a déjà eu ce point à l'ordre du jour du Conseil, avec la décision, effectivement, avec la communauté Wallonie-Bruxelles. Donc il y a déjà eu une décision qui a été prise. Oui, donc, mais c'était un peu de l'humour, hein, disant que je ne vais pas mettre le Manet dans les caves de, oui, Laetitia. Mais par contre, effectivement, je constate que certains ne connaissent pas le bâtiment du monobloc, qui est un bâtiment qui est chaussée de Lille. Ok, merci beaucoup. Chaussée de Lille. Unanimité, donc pour ce point-là. Templeuve, château de Templeuve, aliénation de gré à gré sur base d'appel d'offres, approbation. Manu. Alors, comme vous le savez toutes et tous au sein de cette Assemblée, je suis souvent intervenu, durant cette dernière décennie lors de conseils communaux pour demander au collège communal de dégager des budgets pour la réalisation de travaux conservatoires ou de mise hors eau pour le château de Templeuve. Je vous avais également interpellé au niveau de la sécurité concernant les toitures, avec les multiples morceaux d'ardoise que l'on retrouve de temps à autre aux abords du tour du château. Je vous avais même amené un morceau symbolique ici même, il y a quelques années. J'en ai encore plein dans mon bureau. Concernant mes demandes répétées à maintes fois pour ces travaux, j'ai toujours reçu une fin de non-recevoir de la part de votre majorité. Aujourd'hui, comme pour les maisons et le porche situé à la rue Saint-Martin, qui sont toujours en vente depuis bientôt un an, la majorité communale décide de réitérer l'opération et de se séparer d'un de ses joyaux patrimoniaux en proposant de vendre le château de Templeuve, moyennant la somme minimum de 830 000 euros hors frais. C'est bien ça que j'ai compris. Hein. Comme pour les biens situés à la rue Saint-Martin, on peut lire dans le dossier que le château est affecté de champignons, mérules et autres. Le futur acquéreur devra de plus s'engager personnellement à effectuer, je cite, « les travaux nécessaires de manière prudente et diligente dans les meilleurs délais en veillant à ne causer aucun trouble aux propriétés voisines ». C'est vraiment interpellant et désolant de lire des choses pareilles. En résumé, on n'entretient rien pendant des années. Et puis maintenant, laissons la patate chaude au nouveau futur acquéreur. Je pense sincèrement que si vous aviez pu dégager des moyens en son temps, comme je vous les ai demandé pendant des années, ce bâtiment ne se serait sans doute pas dégradé autant et si rapidement. Au niveau de la disponibilité, une partie du bien mis en vente n'est pas libre d'occupation, en ce sens que le service de cohésion sociale, maison de quartier de Templeuve, occupe les locaux du rez-de-chaussée. La bibliothèque communale occupe l'étage, la Royale Union Musicale de Templeuve occupe un local situé à l'étage, la chorale occupe un local du rez-de-chaussée. C'est ce que je lis donc dans les dossiers. Que prévoyez-vous donc pour relocaliser ces activités et par ailleurs, où en est le projet de bibliothèque au sein de l'ancienne gendarmerie? Je vous avais fait une question écrite à ce sujet il y a quelques mois. J'aimerais également vous lire un considérant et vous demander ce que vous comptez faire comme projet pour ce château.
considérant, donc c'est le dernier considérant du dossier, considérant que l'aliénation est une bonne opération financière et infrastructurelle pour la ville et permettra que ce patrimoine cher au Templevoix soit conservé. Alors ça, c'est l'idée, j'entends bien. Peut-être que vous allez trouver des investisseurs qui s'intéressent à ce château, mais pour y faire quoi? C'est là la grande question que bon nombre de Templevois se posent légitimement. Vous vendez le château et dans le même temps, lors sans doute du prochain conseil communal de juin, on votera la nouvelle programmation et les projets du programme communal de développement rural, où l'on retrouve une fiche importante sur le château de Templeuve. Pourriez-vous donc m'expliquer la logique concernant cela? Pourquoi faire une fiche si maintenant on n'aura plus la main pour ce dossier? Aussi, il y a quelques années maintenant, des citoyens templevois ont créé un collectif pour la sauvegarde de ce château, et Louis en faisait partie. Ils ont également fait un travail de participation citoyenne en élaborant des pistes de travail et des projets pour ce site remarquable et central dans le village. Nous avions reçu tous un exemplaire à l'époque. Pourriez-vous me dire comment les citoyens templevois vont pouvoir émettre leur avis quant à la future affection du château lorsqu'il sera aux mains d'un potentiel investisseur privé? Ma question centrale est donc la suivante, et je vais conclure là-dessus pour le moment. Vous vendez, ok, c'est votre choix, pas le nôtre, mais pour y faire quoi ensuite? Comment la commune et les citoyens templevois pourront intervenir dans l'évolution d'un projet quand nous ne serons plus propriétaires du château? Madame Martin. Oui, alors, je vais encore appuyer sur quelque chose? Non, en principe. Il y a un mois ou deux maintenant, tout au plus, vous nous avez vendu le principe du rachat par la ville d'une partie, du château de Templeuve pour réunir l'ensemble afin de faciliter un futur projet. Et maintenant, on voit quoi? À peine cet achat. Donc ça a été la motivation de soumettre ça au conseil communal, et c'est pour ça qu'on s'est prononcé. Et maintenant, c'est à peine fait que vous revenez ici en nous disant que vous mettez en vente. Alors, on se pose aussi la question de savoir quel est le projet qui finalement nécessite cette mise en vente. On a bien vu que c'était mentionné en zone de service public et d'équipement communautaire, mais on a déjà largement vu ici que vous reveniez très facilement pour modifier toute une série de choses quand ça arrangeait certains projets. Donc on se demande qu'est-ce que ça va devenir. Alors vous nous aviez aussi déclaré que le futur reviendrait à la prochaine majorité. Mais on constate que vous vous empressez d'en réduire les possibilités par la vente que vous nous soumettez aujourd'hui. Alors, la dernière fois que ce sujet était venu ici, il me semble que M. Lagache vous avait suggéré, en attendant un futur appel à projet, d'avoir un projet public déjà structuré, en adéquation avec les attentes des Templevois, exprimé lors des rencontres citoyennes, et aussi un plan opérationnel patrimonial pour le château dans l'ensemble, dans l'attente, pardon, de sa restauration et de sa réaffectation. Et ça, c'était une perspective qui nous semblait assez séduisante. Alors, où on en est par rapport à cette proposition? Et enfin, également, que deviendront donc les occupants actuels du château de Templeuve? Merci de vos réponses. Alors, je passe d'abord la parole à Caroline, je reprendrai ensuite la parole. Donc, moi, c'est par rapport à la cohérence dont tu parles, hein, au niveau de l'opération de développement rural. Donc, le plan de développement rural, le nouveau plan de la deuxième opération, passera au conseil communal du mois de juin. On l'a voté en CLDR, donc en commission. Et donc, il y a 48 projets prioritaires qui ont été dégagés, qui se retrouvent dans cette opération et dans ce plan. Des projets priorité 1, 2, 3, hein, donc à moyen, court, moyen et long terme. Et donc c'est un plan, pour rappeler pour ceux qui ne sont pas présents à cette CLDR, pour 10 ans. On peut introduire une fiche de subventionnement par an,
Donc on voit évidemment que ce n'est pas possible de financer tous ces projets par l'intermédiaire du développement rural, et ce n'est d'ailleurs pas l'objet. En fait, une opération de développement rural a pour objectif de définir une stratégie pour l'ensemble des villages, pour la ruralité. On a une particularité, nous, à Tournai, c'est qu'on a 29 villages, et puis, comme on est une ville, ce qui n'est pas toujours le cas, enfin, ce qui est rarement le cas des communes rurales, souvent dans les communes rurales, le PCDR, c'est vraiment le plan stratégique. Je ne vais pas dire l'unique, mais en tout cas, c'est un plan qui a une importance majeure. Alors, chez nous aussi, mais chez nous, il est associé à tout un tas d'autres plans stratégiques, puisque bon, ben, on est une commune plus étendue et on est aussi une ville. Et donc, les projets qui sont repris dans cette opération n'ont pas spécialement pour vocation de tous être menés, ni au départ du développement rural, ni par la ville, mais peuvent l'être par des partenaires, qu'ils soient publics ou privés. Et donc, le fait de préserver, de donner une nouvelle affectation, une nouvelle vie au château de Templeuve, ça, clairement, et tu en es le témoin, on est tous le témoin, c'est une demande forte des Templevois et c'est une volonté de la commune. Pour autant, l'affiche ne donnait pas spécialement de destination et ne précisait pas encore comment... Mais, tu vois, on n'avait pas dit... Il y a des idées. Elle est très bien faite. Je l'ai lu, je l'ai parcouru plusieurs fois. Et je doute qu'un investisseur prenne toutes les idées... Voilà. Et donc c'est y a bien beau de faire des fiches, mais si après on vend et que l'investisseur privé ne veut pas le faire... Donc il y a beaucoup d'idées qui ont été émises au niveau de l'affiche du château de Templeuve, émises dans le cadre de la participation citoyenne. On les a validées à la fois en CLDR et au collège. Maintenant, ce n'est pas une priorité une, et donc ça veut dire que ça doit encore être fort retravaillé. Si on a un projet mieux défini avec des investisseurs, évidemment on est preneur, parce que tu le dis toi-même, au plus vite on agira, au mieux. Et donc voilà, c'est juste pour remettre le cadre avec l'opération de développement rural. Ok. Moi, ce que je voudrais ajouter, c'est que parfois je suis parfois un peu sidéré de ce que j'entends, et j'entends bien, Manu, que tu dis qu'en son temps, tu avais dit qu'il fallait faire quelque chose au château de Templeuve, mais moi, j'étais au conseil communal il y a je ne sais pas combien d'années, et que je n'étais pas encore conseiller, que je venais ici de l'autre côté avec le public. En ce temps-là, on en parlait déjà. Mmh. Et donc, ce château de Templeuve, quelles que soient les majorités qui sont passées sur Tournai, ça reste un sparadrap qui reste sur les doigts et on ne sait pas très bien quoi en faire. Quand j'entends Mme Martin dire « Vous êtes venue la fois dernière avec le projet de racheter à la Fédération Wallonie-Bruxelles et que maintenant vous venez déjà à le vendre », je pense qu'à l'époque... Je l'ai toujours dit. Je n'ai pas dit « j'achète cette partie de château pour que je puisse dire demain et mettre sur ma carte de visite que Polo y est châtelain ». Le but du jeu est effectivement, était en tout cas de reprendre la propriété globale de ce château pour justement avoir la possibilité de trouver des investisseurs, parce que des investisseurs, nous en avions cherché, mais lorsque ces investisseurs arrivaient sur Templeuve et qu'on commençait à leur dire que la moitié du château appartenait à la ville et l'autre moitié appartenait à la Fédération Wallonie-Bruxelles, je n'avais même pas le temps de terminer ma phrase, qu'ils étaient déjà dans leur voiture et très très loin du château en disant qu'est-ce que c'est de ce bordel, c'est impossible à pouvoir gérer. Donc nous avons la volonté à ce moment-là de reprendre et de racheter les parts au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour pouvoir le remettre en vente. Alors qu'est-ce qu'il va devenir? En ne mettons pas la charrue avant les bœufs, mais quand on me dit on pourrait éventuellement développer un projet, etc., etc., on peut faire tout ce qu'on veut, bien évidemment, mais il faut quand même quelque chose, c'est les finances. Nous reviendrons tantôt avec la modification budgétaire et je voudrais voir si vous allez tenir le même propos. Les finances, elles ne sont pas extensibles et donc, à un moment donné, effectivement, nous avons déjà dû, sous cette législature-ci, reporter le projet au niveau du Musée des Beaux-Arts. Pourquoi ? Uniquement financier. Et donc, on peut continuer à charger la bête, mais de toute façon, à un moment ou à un autre, vous aurez des problèmes. Et je vais même aller plus loin. Un jour, il faudra, et je l'ai déjà dit à certains interlocuteurs, avoir même un dialogue avec notamment les fabriques d'églises, etc. C'est un patrimoine qui est exceptionnel, mais c'est un patrimoine qui est à un moment donné est vieillot. Et donc, si on continue à regarder les mains dans les poches, le château s'effondrer, les églises s'effondrer, un jour ou l'autre, vous n'aurez plus qu'un mont de pierre, et à ce moment-là, vous me direz qu'est-ce que vous avez fait. Et donc, ce n'est pas vraiment de gaieté de cœur qu'on met ce château en vente, mais c'est un peu comme les maisons
de la rue Saint-Martin, c'est qu'à un moment donné, on fait un constat. Est-ce qu'on sait faire quelque chose? Oui, non. On ne sait pas faire quelque chose. On essaie de trouver des pistes de solutions. Qu'est-ce que demain deviendra le château? Aujourd'hui, je ne sais pas encore vous le dire. Un investisseur viendra. Quand on vend, on peut encore dire oui ou on peut encore aussi dire non. Et lorsque on vend, on peut aussi mettre au niveau de la ville toute une série de charges urbanistiques. Par rapport aux locataires actuels, ne craignez rien, d'autant qu'ils sont des services communaux et des pistes de solutions, bien évidemment, on en retrouvera notamment, on avait parlé de l'ancienne gendarmerie, ce sont de toute façon toujours des pistes qui sont à l'étude et qui sont éventuellement possibles. Mais donc il faut savoir ce qu'on veut, ou alors on essaie de trouver des pistes de solutions. C'est la même logique dans les musées, hein, le musée d'archéologie, soit on continue à pleurnicher, ou soit on dit on essaie de trouver des choses, des pistes de solutions. La prochaine vente, c'est celui-là. Pardon ? La prochaine vente, ce sera le Mont-de-Piété. La prochaine fois ? La prochaine vente que vous ferez dans la même logique de gestion du patrimoine, ce sera le Mont-de-Piété aussi, alors. D'abord, le Mont-de-Piété appartient au CPS, mais non, c'est de toute façon une logique que vous devez avoir. Si à un moment donné, vous avez un bâtiment que vous n'avez plus la possibilité d'entretenir, soit vous faites semblant, comme on l'a fait avec le château de Templeuf pendant des années et des années, et tous les 6 ans, on fait une petite farandole autour du château pour dire il faut faire quelque chose, et on attend encore 6 ans après. À force d'attendre, un jour, il ne faudra plus rien faire, le château, vous allez avoir sur la tête. C'est pas attendre toi de rien faire, surtout. Il y avait des choses, je suis désolé, je vais revenir avec ça, il y avait des chéneaux, des bouts de toiture qui partent, on les a laissés partir. D'ailleurs, je travaille souvent à Gand pour des bâtiments patrimoniaux. On ne fait pas comme ça, je suis désolé. On a laissé faire certaines choses, des descentes d'eau qu'on ne remplace pas, des chéneaux qu'on ne remplace pas, des infiltrations d'eau pour lesquelles on ne fait rien. Et bien ça après, fait, à mon avis, 25 ans qu'on n'a rien fait sur ce château. Oui, j'ai dit, on commence à faire quelque chose, je n'attaque pas que la majorité ici, c'est collectivement. C'est depuis des années. Mais le collectivement, ce n'est pas le fait qu'il n'y a pas de volonté, c'est que le collectivement, à un moment donné, vous devez vous rendre compte que financièrement parlant, ce n'est plus possible de faire tout et n'importe quoi. Enfin, pas n'importe quoi, mais de tout faire, c'est impossible. Et donc, il y a effectivement des mesures et des pistes de solutions à prendre qui ne font pas plaisir. Hein. C'est clair que je préférerais continuer à garder les maisons de la rue Saint-Martin si j'avais la possibilité de les entretenir. C'est clair que je préférerais avoir un superbe beau château avec ma plaque et mon nom dessus si j'avais le château de Templeuve et que je pouvais continuer à le faire. Et cette logique, on peut le faire partout. Et je vous dis, c'est une même logique qu'il faudra un jour avoir avec certains bâtiments. On ne va pas ouvrir le débat aujourd'hui, mais ce sera de toute façon un débat pour la prochaine majorité, notamment avec certaines églises, etc. C'est un débat que j'ai eu il n'y a pas tellement longtemps dans un comité paroissial. Vous avez fait le rapprochement avec et je l'ai fait aussi avec les maisons de la rue Saint-Martin. On est un an plus tard, c'était passé au mois de juin. On n'a pas d'investisseur. J'ai encore téléphoné moi-même à la notaire pour savoir s'il y avait quelqu'un qui était amateur de ces deux maisons. Il n'y a rien. Ici, si vous n'avez personne, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est 830 000 euros, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de montants. Il faudra un projet crédible, quelque chose qui allie les citoyens et qui allie la ville. Et si vous n'avez personne, qu'est-ce qu'on fait alors? À chaque jour, suffit sa peine. Moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, j'ai une piste de solution, c'est celle-là que je tente. Si celle-là, ça ne marche pas, on essaiera autre chose. Mais de toute façon, s'imaginer qu'aujourd'hui et que demain, vous pouvez faire tout avec l'argent de la ville de Tournai, vous n'allez pas le réussir, c'est impossible. Non, mais j'ai pas dit ça, mais c'est la méthode que je trouve qui... Voilà, ici, on va vendre, on ne sait pas comment, à qui, à quoi, on ne sait pas quel projet, on verra bien. En tout cas, aujourd'hui, on a peut-être une piste de solution. Hier, avant-hier et encore avant-avant-hier, on n'avait pas de piste de solution, si ce n'est pleurnicher sur le sort. Il n'y a pas eu de travail. Ça fait 25 ans qu'on pleurniche dessus. Quand je dis 25 ans, à mon avis, il y a même plus longtemps. Ah oui, ben, je suis le seul ici autour de la table qui est souvent relayé l'état de ce château. Hein, parce mais je ne suis pas sûr que le jour où le château a commencé à perdre sa première ardoise, que tu étais déjà né. Non, mais alors, mieux vaut tard que jamais, non? Si tout le monde... Je ne juge pas, tant mieux que tu défends le château de Templeuve, mais je te dis, pour l'instant, des pistes de solutions, ça fait 25 ans que jamais personne n'en a trouvé une, je vous propose celle-ci. Ok, mais on verra les investisseurs et on verra leurs projets au moment donné. Bien évidemment. Et sachez que je serai là pour analyser cela. Et le groupe MR, qu'est-ce qui... Ah, pardon. On s'abstient. S'abstient, oui. Benjamin? Le château de Templeuve est classé.
Une partie, je pense. Ouais. Parce que justement, c'est ce qui pourrait me rassurer un petit peu, c'est qu'en étant en partie classé, on ne fera pas tout et n'importe quoi au niveau architectural. En termes de charge urbanistique, on reste toujours les maîtres du... Maintenant, il y a un projet de ville ou de village, en tout cas. On reste maître du jeu. Privilégier. Très honnêtement, on va de toute façon rester maître du jeu, ne serait-ce que via les charges urbanistiques et le permis. C'est un peu ce qui m'avait consolé avec les maisons de la rue Saint-Martin, même si vous savez que j'avais beaucoup de regrets. On s'abstiendra sur ce point. OK. Donc, abstention du MR. Oui. Les engagés, abstention. Pour nous aussi. Pour nous aussi, abstention. Abstention, OK. Et... OK. Pour... Oh, je ne sais plus. Excuse-moi. Je jure que ce n'est pas fait exprès. Oui, t'es sûr? Tu voulais réintervenir? Allez, en tout cas, mon groupe, il n'apprécie pas. Pardon? C'était là-dessus? La prochaine fois, je dirais Benjamin, c'est quoi? Je jure que je l'ai pas. Excusez-moi. OK. Alors, le point 27, territoire zéro sans-abrisme, convention de collaboration avec le relais social urbain de Tournai, approbation, c'est concernant l'engagement d'un éducateur à deux. Pas de problème, Madame Martin? Mais j'ai quand même une question, parce que moi, il me semble avoir vu passer... que le relais social urbain et qui avait des subsides accordés justement pour le territoire sans abrisme. Et il me semble avoir vu, mais je le dis de mémoire, à un montant de 3 millions et quelques. On est loin du compte ici. Hein. Je m'étais dit en voyant ça, en me disant « Ah, enfin, on prend le problème à bras-le-corps, mais... » Je suis un peu étonnée de la... Et donc, effectivement, c'est un montant d'un peu plus de 3 millions pour créer du logement temporaire. Donc, ce n'est pas du logement transit, mais ce n'est pas du logement pérenne. C'est du logement temporaire aussi longtemps que les personnes en ont besoin. C'est aussi du financement pour du personnel. Et donc, il y a un coordinateur pour le projet spécifique zéro sans-abrisme. Et il y a un montant aussi pour un éducateur pour l'accompagnement social. Et ici, la convention qui est sur la table aujourd'hui, c'est une rétrocession du relais social urbain vers la ville pour engager un éducateur qui sera inclus dans le pôle, notamment avec les éducateurs de rue. Et donc, ça va vraiment dans la continuité de la lutte contre le sans-abrisme qu'on a initié déjà à la ville, notamment par la mise à disposition de logements dans le cadre du projet Housing First. Donc, ce sont des conventions qui sont déjà passées ici. Alors, je profite aussi pour dire que l'accompagnement qui va être fait, cette personne sera inclus dans une équipe au sein de la ville, ne sera pas isolée. On a déjà un travailleur social pour les logements transit. Et donc, tout ça, ça fait... Je veux dire un tout pour, et ça fait une équipe pour pouvoir vraiment accompagner au mieux les personnes sans abri. Et c'est aussi le renforcement avec le réseau associatif, puisque tout ça se fait dans le cadre du relais social urbain. Et donc c'est je veux dire, multidisciplinaire et c'est inter-associatif et institution. Oui, merci. Merci, Coralie. Mais il me semble que pour ce point-ci, on parle de 60 000 euros de subsides. On est loin des 3 millions, donc donne-moi un peu une idée de... C'est pour 2 ans et c'est 2 fois 60 000 euros. C'est oui, pour donne-moi un peu une idée de... Mais c'est pour l'engagement d'un éducateur. Pardon ? C'est pour l'engagement de l'éducateur. Oui, j'ai bien compris ça. Mais ce que je te demande, c'est... moi, je vois, il y a une enveloppe avec 3 millions dedans, et tu m'expliques qu'on va prendre 2 fois 60 000 pour ça. Oui, mais donc, okay. C'est le relais social urbain. Je te l'ai dit, je ne vais pas m'opposer à ça, mais je te demande... Ah, ben, j'avais cru avoir répondu à ta question. Et donc, c'est le relais social urbain qui a reçu l'enveloppe, et c'est notamment... Et c'est la majeure partie de l'enveloppe, c'est pour de la brique, c'est pour créer du logement. D'accord. Et où est-ce qu'on en est avec ça? Alors. Ça, bon, il y a Greg qui veut... Mais ça, donc, c'est un projet en partenariat avec le Logis Tournaisien pour ça. OK. Merci. Grégory. Voilà. En tant que trésorier du relais social urbain, je peux aussi répondre. En fait, c'est une enveloppe globale qui représente tout le personnel...
plus le bâtiment. Cette enveloppe globale doit être mise, elle est déjà disponible. C'est vrai que nous avons fait un acompte pour le logis tournaisien pour commencer tout ce qui est par rapport aux travaux. Et nous avons aussi l'enveloppe du personnel. L'enveloppe du personnel, nous devons déjà l'entamer. C'est vrai qu'automatiquement, on a trouvé une solution, comme on n'a pas encore le bâtiment, il fallait bien trouver une solution pour le personnel et faire... que le personnel soit actif dans quelque chose. C'est vrai que ceci répond à la question. C'est vrai qu'on a deux budgets, un budget pour le personnel, un budget pour le bâtiment, qu'on a déjà. C'est vrai qu'on n'allait pas laisser ça sur des comptes. On ne pouvait pas, on devait utiliser. Oui, mais au niveau des logements provisoires, là, alors, c'est quoi ? J'ai vu qu'on parlait de tiny homes. Deux ? Où j'ai rêvé de tiny house. Oui, notamment. Oui. Où est-ce qu'on en est par rapport à ça? Et donc, c'est un projet avec le logis tournaisien, ça? Oui, il faut que l'immeuble sorte. Pour le moment, on en est quoi? On engage juste le personnel. Ici, c'est uniquement le personnel par rapport à la convention ville de Tournai. Pour le reste, okay. Avec les 3 millions, j'espère que le reste va suivre. Le débat a lieu au conseil d'administration du logis tournaisien. Merci. Par rapport à ce que tu as demandé, Benjamin, le château est classé intérieurement et extérieurement avec un avis conforme de la WAP. Quand l'ensemble me demande quelque chose, je réponds toujours tout de suite. Bravo, 28, projet pilote vélo solidaire, convention de mise à disposition de vélo, approbation, pas de problème ? Pour le projet sans-abrisme, c'était unanimité, hein, je pense. Ok. J'ai rien dit. Analyseur de trafic routier, c'est une mise à disposition à la zone de police, c'est une convention, approbation. Pas de problème, je vous remercie. Au salon de l'emploi Talentum Tournai, c'est une approbation de la convention avec référence SA. Madame Martin. Alors, monsieur Delannoy. Les années précédentes, on vous a déjà demandé les résultats de ces salons de l'emploi en ce qui concerne le nombre et le type de contrat conclu, mais nous n'avons jamais obtenu de réponse. Alors, nous vous avons aussi proposé d'ajouter une clause d'engagement des entreprises participantes à communiquer dans les 6 mois les résultats en termes de nombre et de type de contrat d'emploi signés suite à ce salon. Nous n'en voyons rien ici. Pouvez-vous ajouter cela ? Parce qu'il nous semble quand même impensable de dépenser 7 000 € pour un salon de l'emploi sans rien mettre en place pour s'assurer de ces retombées réelles en termes d'emploi. Donc voilà, la demande est faite. Ok, vous avez fait la demande, je n'y suis pas favorable. Je pense que de toute façon, toutes les activités que l'on peut faire pour justement favoriser l'emploi est quelque chose d'excessivement important. Et si en plus vous demandez de l'administratif à l'économique, je pense que vous avez vraiment droit dans le mur. Nous n'avons pas la même vision des choses, c'est très bien comme ça. Ben, ce qu'on craint surtout, c'est que ce salon soit en réalité juste prétexte à faire de la pub pour la majorité, quoi. Oui, bien évidemment, tous les... Comme les autres années, on a bien vu ce que ça donnait. Vous avez tout à fait raison, c'est uniquement une publicité pour Paul-Olivier Delannoy, un salon de l'emploi. Et oui, pareil. Oh, oui. Mais je peux associer le conseil communal, hein, donc je ferai aussi votre pub du conseil communal sans vous. Je ne vous demande pas ça. Mais je pensais vraiment que l'emploi. Je pensais vraiment que l'emploi était. Je vous demande de vérifier quand vous faites quelque chose comme ça, de vérifier l'impact réel que ça a. Sinon, on ne voit pas l'intérêt. Et je peux aussi l'exiger peut-être à Tournai Expo quand ils font un salon, etc., etc. Et en plus, je ne suis même pas sûr que, légalement parlant, je pourrais le faire. Bref, vous ne voulez pas voir si ça marche ou si ça ne marche pas. Non, vous avez raison, nous ne sommes pas d'accord et nous n'avons pas la même philosophie par rapport à l'emploi. J'en suis très fier. Donc, ok, je vous remercie. Quoi qu'il en soit, donc, au vu de vos réponses, on votera contre. Oui, ça fait 6 ans. Donc, ok, unanimité, moins un vote contre. Jean-Lalame 31, implantation à visée inclusive, convention entre le Prévert et les Coquins. Renouvellement, approbation, pas de problème. Je vous remercie. Ensuite, Euro 2024, diffusion de matchs, convention avec le collectif Eureka. Et vous avez certainement vu qu'il y avait un 8e commerçant qui avait intégré le collectif. Pas de problème. Unanimité. Je vous remercie. Pardon.
OK. Monsieur Lebrun. Deux petites questions. La première, est-ce qu'on a reçu d'autres demandes, on va dire, officielles de diffusion des matchs, d'autres organisations que celle-ci? Oh oui, on a quelques-uns, mais de façon privée, hein, notamment de mémoire R. Je me demande s'il y a Bleu-Cher aussi quelque chose. Oui, enfin, moi j'ai en tête Hertin ou La Main. Mais ce sont des initiatives privées, donc parfois dans des cours de ferme ou des choses pareilles. Lorsqu'il y a l'occupation du domaine public, ils passent de toute façon par nous, mais oui, effectivement. C'est ça, ouais. Et ils pourraient demander de l'aide logistique aussi, si besoin, pour les... Parce que, en fait, je vois qu'il y a une sécurisation des lieux, etc. Comme toutes les publique. Manifestations qui a lieu à Tournai et ailleurs. Oui, il n'y a pas d'exclusion. Pour la petite histoire, sur la zone de police, je pense qu'on a 1700 événements. C'est peut-être aussi une réflexion à avoir dans les années à venir, parce que c'est effectivement très, très lourd. Ouais. Le matériel, on répond de toute façon toujours présent, surtout quand il s'agit de deux choses, un en matière de sécurité, deux en matière de propreté. Pour autant, bien évidemment, que nous avons suffisamment de matériel, mais chaque fois, nous essayons en tout cas de répondre OK. Allez, OK. Et alors, la deuxième question, donc on parle d'un montant de 19 300 euros. Alors, il est clairement indiqué qu'après les trois premiers matchs, c'est le collectif qui prendra en charge notamment la location des toilettes publiques. Mais on ne parle pas effectivement... Enfin, est-ce que ces 19 300 euros est un forfait pour l'ensemble de l'événement, ou est-ce que ça s'arrête aux trois premiers matchs, pour tout ce qui est logistique? On s'arrange aussi toujours pour que les Belges perdent avant trois matchs. Non, mais ça veut dire... Non, ouais, ça coûte moins cher, oui. Mais enfin, je veux dire, est-ce qu'il y aurait une rajoute à ça si on va plus loin, ou est-ce que... Non, il n'y a aucune rajoute. Donc, qu'il y ait trois matchs ou sept matchs, 19 300. Ça vous va ainsi? Ah, ça me va, oui. Je préférais qu'il y ait 7 matchs à leur prix-là. Hein. Ouais. Et donc, vous votez pour, quand même? Ah, oh, ben, bien sûr. OK. Alors, prévention du tabagisme, organisation de groupes de discussion par le SEPT. C'est une convention et c'est surtout une ratification. Pas de problème. Je vous remercie. À la Maison de la Culture, rénovation, état d'avancement numéro 64. Acceptation d'un montant de dépenses. C'est un état d'avancement qui était plus élevé que prévu. Au point 35, 36, 37, c'est la PIV avec la première. Le point 35, c'est la rénovation énergétique de la toiture, restauration de la façade de la maison de la laïcité, mode et conditions de passation de marché. Pas de problème. Point 36, c'est la rénovation de la chaufferie de l'hôtel de ville. Point 37, c'est la rénovation de la chaufferie de la Alodra. Robert. Non, c'est elle qui m'a dit Robert. Oui, c'est Robert. Excuse-moi, je pensais que c'était Philippe. Au niveau de la Alodra, ces derniers temps, on a eu l'occasion de participer à certains événements dans la Alodra, et j'étais étonné de l'offre des sanitaires, au niveau du nombre des sanitaires. Avant, je trouvais qu'on avait une offre beaucoup plus importante que ce qu'on dispose maintenant depuis la rénovation, et je trouve que c'est assez limite par rapport à la capacité... Que des événements que la Alodra peut proposer. Donc, je me demande si ça va se limiter uniquement à ça, ou si peut-être il y a je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'étais personnellement étonné du peu de sanitaires qui était mis à disposition du public. Ah, voilà. À ma droite, quelqu'un qui a passé toute la journée hier après-midi me dit qu'il n'y avait aucun problème pour y aller. C'est peut-être une sensation. Je vis des travaux, pourra certainement répondre davantage, mais pour y avoir été hier et depuis plusieurs fois, il y a le même nombre de toilettes pour les hommes. Il faut monter, mais si ce n'est que ça, avant, il fallait descendre. Ouais. Mais c'est tout. Pour le reste, le nombre d'urinoirs, le nombre de WC... J'avais en tout cas la sensation, l'impression qu'il y en avait nettement moins qu'avant. Enfin bon, je n'ai peut-être pas tout visité. Il paraît qu'on pisse moins qu'avant. C'est pareil. Bah bon. Allez, on fera un sondage. On fera un petit tour. Attention, sujet très important. Laurence veut s'y mettre. Non, mais en fait, il y en a plus puisque on a créé. Donc, il y a des toilettes qui soient à la fois PMR, ce qu'ils n'avaient pas avant quand même, hein, avec des toilettes juste en face pour les dames et qui sont au nombre quasi identique de ce qu'il y avait avant. Puis tu as le premier étage réservé aux hommes, mais en dernier étage, tu as encore des toilettes. Donc, mais souvent le dernier étage.
est bloqué si ça ne nécessite pas qu'on y aille, ou si, comme ici, c'était au niveau de l'étage, il y avait les loges au niveau des mises, forcément, on bloque alors tout cet accès-là. Mais c'est d'accord. Peut-être pour ça que ta sensation est... Probablement. Ouais, mais voilà. Sinon, non, il y en a, ah bon, y en a okay. Autant, voire plus. Vous proposez de faire une visite à deux. Oui, voilà. Le point 32... Le point 38, plan de relance administratif, travaux d'amélioration de performance énergétique, mode et conditions de passation de marché, c'est pour le district administratif de Gorin. Pas de problème, unanimité, je vous remercie. Au point 39, c'est le travaux de réfection de voirie, réalisation d'une piste cyclopiétonne à la rue Grande Couture à Marquin, mode et conditions de passation de marché. Pas de problème, unanimité, je vous remercie. Au point 40, c'est la centrale d'achat du Forum, intitulé « Marché Fortinet relatif à la maintenance de l'infrastructure ». Pas de problème, unanimité, je vous remercie. Au point 41 à 54, il s'agit des fabriques d'églises. Je suppose que Mme Martin s'abstient. Je vous remercie. Au point 55, c'est un subside complémentaire concernant la rénovation de la piscine de l'Orient. Pas de problème, je vous remercie. Au point 56, Régie communale autonome du stade de Luc-Varenne, exercice 2022, compte annuel. Pas de problème. Madame Martin ? Abstention. Régie foncière au point 57, concernant les comptes annuels de l'exercice 2023. Madame Martin ? J'ai une question ici. En 2018, vous annonciez deux maisons d'habitation. Combien en reste-t-il? Et combien de logements sont occupés via l'AIS et combien via le logis actuellement? Je n'ai pas les chiffres précis. Les ventes qui ont été faites, elles sont chaque fois passées au conseil communal. Et donc, le nombre de logements qu'on a en moins, ce sont les ventes qu'on a faites. Et donc, il y a le presbytère des Pleuchins, il y a l'ancienne cure de Rumilly, il y a un bâtiment qui se trouvait à Cherques. Et on a un terrain ici à R qui a été vendu, mais donc ça, c'était pas un logement. Et de mémoire, c'est tout. Mais je suis déjà venue plusieurs fois avec ça. Hein. Mais je n'ai jamais de donc, réponse très, très précise. Bah, je vais dire que c'est une dizaine de logements en moins, mais qui n'étaient pas nécessairement occupés. Et donc, c'est du bâtiment en moins, mais ce n'est pas pour autant des logements, c'est pas pour autant des locataires. Et il y avait Ramnicha aussi qui a été vendu. Voilà. Et donc, je veux dire que ça fait une dizaine de logements potentiels en moins, mais de nouveau, pas du logement qui était en état de pouvoir être habité. Et par contre, au niveau du nombre de logements, enfin la répartition AIS et logis, c'est 50 logements au logis tournaisien. Ce sont les 50 logements de la rue de la Madeleine, les logements de la rue de la Madeleine, donc c'est l'îlot des Sept Fontaines, et il y a une trentaine de logements via l'AIS. On a déjà 15 logements à la rue de l'Athénée, ça c'est du logement d'insertion, et puis après c'est du logement qui se trouve un peu réparti plus dans les villages. On a Quin, on a Ramnichin, on a enfin voilà, plusieurs, Timougy, il y a plusieurs villages qui sont desservis par des logements. Ok, merci. Alors c'est vrai que cette année, on avait l'ambition de pouvoir répondre à un appel à projet de la région Wallonne pour acheter du nouveau logement. Et malheureusement, les conditions étaient très difficiles puisqu'il fallait un PEB B pour du logement qui était libre d'occupation et qui était rénové, donc qui avait été occupé avant. Ça ne pouvait pas être du nouveau logement, ça devait être du logement rénové, PEBB, enfin bref, c'était perle rare qu'on avait trouvé. J'avais démarché beaucoup et j'avais trouvé le bâtiment qu'il fallait. Mais étant donné les démarches administratives qui sont plus longues que pour un privé, ben un privé a acheté le bâtiment avant nous. Et donc, voilà, on n'a pas pu l'acheter. Ok, merci Coralie. Mais on va néanmoins s'abstenir sur les comptes. Ok. Finances communales, comptes annuels communaux, arrêt. Nous avions eu une réunion de commission le 22 mai sur les comptes.
et ensuite la modification budgétaire. Je ne sais pas qui veut intervenir sur les comptes, sur la modification budgétaire ou sur les deux. Madame Martin. Déjà sur les comptes, hein, mais je ne vais pas m'étendre longuement, mais je vais juste relever deux points. On a vu que les recettes de stationnement ont rapporté en 2023 670 000 euros, soit le minimum à payer par City Parking, et qui ne couvre pas la totalité des frais déclarés par cette dernière, malgré les 2 269 000 euros payés à Tournai pour s'y garer. Alors, les rentrées pour la ville ne sont pas moins de la moitié du montant de 2018 et moins qu'en 2020, quand la Covid vidait nos rues. Alors, bien sûr, on est opposé au parking payant en l'absence de réelle alternative à la voiture, mais ceci nous semble quand même indicatif d'une baisse de fréquentation de Tournéville. Et ça ne nous semblerait pas très crédible d'attribuer ça à un usage massif du vélo. On a donc au minimum des questions à se poser sur les impacts de la politique que vous menez dans Tournai. Et en parlant de majorité, nous relevons aussi un point qu'on ne nous présente jamais, à savoir le coût des mandataires, traitements, pécules de vacances, cotisations patronales et pensions des bourgmestres et échevins. On arrive à 1 360 560, auquel s'ajoute le personnel détaché dans leur cabinet, soit 380 591 euros, ce qui nous fait 1 741 151 euros pour le collège, auquel s'ajoute encore 74 698 euros de jetons de présence des conseillers, soit un total de 1 816 849 euros payés par les Tournaisiens à qui nous laissons l'appréciation. Alors, pour notre part, nous nous abstiendrons de voter ces comptes et pour que les choses soient bien claires pour tous, nous ne remettons pas en cause les comptes qui nous ont été présentés et nous remercions le directeur financier des explications qu'il a reçues, mais nous ne trouvons pas de raison d'approuver des comptes qui reflètent l'application d'une politique que nous ne soutenons pas. Par rapport au défraiement des, comment dire, d'un collège, d'un bourgmestre et d'un échevin. D'abord, ce n'est pas la ville de Tournai qui fixe les différents montants, bien évidemment, ils sont fixés de par la loi. Et ça vous gêne peut-être, ça je peux comprendre que ça vous gêne éventuellement et qu'on sort des chiffres, mais vous savez, ce genre de choses, c'est simplement le reflet d'une démocratie. Alors je suis effectivement pour un modèle démocratique où des personnes qui travaillent dans la politique soient effectivement payées. Ça vous gêne, mais ce n'est pas mon problème. Bon, ce qui me gêne, c'est qu'on ne montre jamais ça aux citoyens. Qui on ne montre jamais ça aux citoyens. Chaque personne ici présente doit remettre ses rémunérations. Et chaque personne, chaque année, ça passe ici. Ah ben c'est très bien, alors il n'y a pas de problème à ce que j'en parle ici. Ah non, bien évidemment qu'il n'y a aucun problème à ce que vous en parliez. Mais c'est très bien. Vous, comme les autres, touchez effectivement. Bien sûr, je touche mes jetons de présence. Et enfin, si je ne les touche pas, mais je. Mais ils sont dus. Non. Si vous les touchez, vous les touchez. Mais vous en faites ce que vous voulez après. Ça, si je vous le donnez. Bien que la ville ne les verse même pas sur mon compte. Si vous les donnez à Pierre, Paul, Jacques et André, c'est la même chose. La discussion ici n'est pas. Et demain, Madame Martin, si de. Je sais que ça vous démange. Non, ça me démange pas. Si je perds ça gratuitement, ça vous démange. Ça, c'est clair. Non. Si demain, pour demain. Vous devenez bourgmestre de la ville de Tournai. Moi, je le fais gratuitement. Madame Martin, si demain pour demain, vous devenez bourgmestre de la ville de Tournai, vous toucherez le même montant que moi. Oui, on verra ce que j'en ferai. Ah, mais non, ce que vous en faites après, ça, c'est autre chose. Si vous voulez le donner à Pierre-Paul Jacques. Moi, ce que je retiens de ce que vous me dites, c'est que vous imaginez qu'un jour, je vais être bourgmestre à Tournai. Mais dans votre parti, dans votre parti où systématiquement vous dites que vous donnez, etc., non, ce n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas refuser un salaire. Après, ce que vous en faites, ça, c'est vos affaires, que vous partez en vacances en Russie ou en Chine. Oui, ça je ne veux même embête, pas le savoir. Hein. Bon. Mais de toute façon, vous êtes obligé de toute façon de percevoir, ce salaire. Je sais peut-être que vous avez envie d'aller voir votre grand frère, mais bon, vous en faites ce que vous voulez. Donc, le compte, par contre, vous votez le vote abstention. OK. Ensuite, Ah, pardon, tu voulais... Excuse-moi, j'ai pas vu. Hein. Mais... Oui, trois petits commentaires, même si on est sur le compte, hein, donc je comprends pas très bien, je comprends qu'on puisse pas être d'accord avec les politiques qui sont menées, mais
le compte, il est présenté tout à fait loyalement et clairement, donc on ne comprend pas très bien qu'on s'y oppose. Je voulais quand même rebondir un peu sur City Parking, qu'on ne dise pas. Il y a une diminution des recettes de City Parking. Attention que cette majorité a toujours dit que le but n'était pas forcément d'avoir une augmentation exponentielle des recettes de City Parking. Ce qu'il faut relever, c'est que les demi-heures gratuites sont en augmentation en 2022-2023. Donc, ce n'est pas la désertification. Mais je crois qu'il y a de plus en plus de gens qui savent que maintenant, prendre le ticket et le déchirer, ça ne sert à rien. Et que donc, on respecte aussi, par civisme, un certain mécanisme de partage de la ville au niveau des voitures. Et donc, voilà, j'entends parfois beaucoup de positions très contraires sur le fait qu'il y ait une taxation qui soit faite à la ville pour ce partage, mais il y a aussi des points qui sont positifs. Et encore une fois, je répète ce qu'avait dit le bourgmestre, ben, on serait peut-être satisfait si simplement il y avait zéro et que tout le monde respectait, il y avait très peu de rentrées, que tout le monde respectait les règles du jeu à ce niveau-là. Sur le dernier point, ben, ça a été évoqué par le collège, c'est simple de venir avec les dépenses du personnel politique, attention que c'est très très large, c'est pas seulement ici les rémunérations des H20, ce que vous évoquez. Il est clair que dans un système où il n'y aurait qu'un seul secrétaire qui déciderait de tout, ça coûterait peut-être beaucoup moins cher. Quoique, on l'a déjà essayé, j'espère qu'on ne laissera pas tourner. Oui, il y a aussi le fait que nous avons introduit aussi la demi-heure gratuite, et ça joue également sur les différents résultats. Mais de toute façon, Jean-François, tu souhaites intervenir. Oui, mais je vous remercie parce que vous avez effectivement extrêmement bien résumé. Je crois qu'effectivement, il y a eu beaucoup, un gros travail de communication qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, les règles de stationnement sont mieux intégrées, c'est très certainement. Il y a eu aussi cette demi-heure gratuite qui, in fine, a amené effectivement un coût en moins dans les finances de la ville. C'était quand même un geste qu'on a fait pour l'attractivité, notamment des commerces. Il y a aussi un gros travail de communication sur le 44-11 qui permet aujourd'hui de payer avec la demi-heure gratuite la juste minute d'occupation du stationnement. Et puis, on a aussi eu, aux alentours de 2019-2020, juste avant le Covid, une bulle un peu artificielle qui fait en sorte qu'il y a eu un gros travail de récupération fait auprès des résidents français qui venaient stationner en ville et qui pendant des années ne payaient pas ou n'ont pas payé et n'étaient pas poursuivis. Il y a eu un gros travail de récupération qui a gonflé pendant une année ou deux les rentrées aux alentours de 2020. Mais il est clair qu'aujourd'hui, si je parle uniquement des zones payantes, en tout et pour tout, vous passez une journée maximum en zone payante à Tournai pour 6,50 €. Regardez un peu ce qui se passe ailleurs dans d'autres villes. Je ne pense pas que c'est excessif. Alors oui, on peut toujours vivre dans le mythe, ce que vous essayez de véhiculer très régulièrement, de la gratuité totale à tous les étages, partout. On ne sait jamais comment ça se finance, mais voilà. Vous pouvez effectivement le dire, et je suis certain qu'électoralement parlant, ça doit être porteur. Mais aujourd'hui, si on respecte les règles du jeu à Tournai, stationner, effectivement, ne coupe pas les yeux de la tête. Et en tout cas, le prix du stationnement, je ne parle pas de la redevance, le prix du stationnement, le prix de la carte travailleur n'a pas augmenté d'un centime en 6 ans. Au contraire, avec la demi-heure gratuite, il a diminué. Je voudrais quand même relever que dans ce qu'on a vu, par rapport à ces 670 000, il y a quand même 250 000 euros qui proviennent des cartes travailleurs. Hein. Donc, autrement dit, les travailleurs payent pour pouvoir venir se garer et ça représente plus d'un tiers des revenus du parking. Ceci étant dit, on vous a dit de toute façon qu'on s'abstenait pour les comptes et j'ai relevé des points qui, effectivement, nous chipotent. Voilà. Non, ça chipote pas. Et ça mériterait quand même que vous fassiez à un moment donné un bilan de votre politique. Qu'est-ce que ça donne? Parce que le centre-ville n'est pas si animé que ça. Voilà. Pour la petite histoire, encore une fois, si vous devenez bourgmestre, madame, le montant de votre salaire que vous dites que vous allez refuser, vous allez de toute façon, le retrouver dans le compte. Obligatoirement, parce que vous ne pouvez pas ne pas l'accepter. Que vous en faites ce que vous voulez après, ça c'est autre chose, mais dans le compte,
démocratiquement parlant, vous serez obligé de l'accepter et il sera noté. Et comme je serai de l'autre côté, je vous poserai une petite question à ce moment-là. Je vous promets, monsieur Delannoy, quand je serai bourgmestre, je renoncerai à une partie de ce salaire. Mais vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas. Non, non, mais c'est bien que vous vous inquiétez de ce que je pourrais faire quand je serai bourgmestre. C'est pas merveilleux, ça. Vous ne comprenez pas. Vous faites semblant de ne pas comprendre, parce que tous vos sbires, là, ils le savent très bien, et ils ont toujours des difficultés quand on leur demande qu'est-ce qu'ils font avec, si ce n'est payer Facebook. Mais, non, mais j'adore, parce que de voir comment vous... Ça montre tout de suite, hein, dès qu'on parle de vos non, sous. Mais, encore, non, ça montre simplement que vous dites des idioties, à savoir, je donnerai mon salaire. Non, vous ne pouvez pas donner votre salaire. Mais, alors, encore une fois, fantastique. Vous avez considéré comme idiotie le fait... que je puisse donner mon salaire, mais pas l'hypothèse que il sera de toute façon retiré de la ville de Tours. Vous arrêtiez un peu, non ? Ouais. Allez, on y va. Coralie, peut-être ? Mais... Arrêtez d'en remettre une couche. Mais... Non, mais quand vous dites qu'on voit que ça titille et que du coup, on intervient... Je laisse dire le bourgmestre, mais en même temps, j'ai envie aussi d'intervenir en disant que c'est ce qui permet de garantir aussi une démocratie. Et donc, le fait que vous disiez des choses comme ça, ça montre à quel point votre programme, dans un pays démocratique, n'est pas possible. Donc, ce n'est pas du tout démocratique. Il l'est en Russie. Considéré anormal que, par exemple, prenons l'exemple du collège, qu'il gagne beaucoup plus, qu'il fasse partie des revenus supérieurs dans la ville. Ça, ce n'est pas démocratique. Vous avez raison. Allez, soit. Bon, Grégory, après j'arrête ça. Cette discussion est ridicule. Oui. Juste aussi un élément pour City Parking, de rappeler, en 2023, la rue Royale, la gare, le quartier de la gare, il n'y avait pas de parking puisqu'elle était en travaux. Ok. Il y avait aussi beaucoup de place en moins. Merci beaucoup. Finances communales, exercice 2024, première modification budgétaire. Vous avez eu une réunion de commission le 22 mai. Qui souhaite intervenir ? On n'a jamais approuvé vos budgets en raison de choix politiques qui, tout au long de cette mandature... Excusez-moi, mais je sais que c'est vous qui menez la danse. Oh, pardon. Si vous voulez... Bah, vous me demandez, je vous réponds. Hein. Non, j'ai demandé qui voulait intervenir. Vous n'avez pas... Benjamin. Oui, merci. S'agissant d'une modification budgétaire, je serai relativement bref. Nous avons eu l'occasion, au groupe Ensemble, de nous exprimer en long et en large en décembre dernier sur le budget 2024. Nous nous sommes, vous vous en souviendrez, abstenus en nous en expliquant longuement. Ici, la modification budgétaire est la conséquence d'adaptations habituelles pour des raisons essentiellement techniques. Donc nous allons rester logiques avec nous-mêmes et nous abstenir sur cette modification budgétaire. Néanmoins, c'est l'occasion, après quelques années de mandature, de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur et de nous rendre compte que j'invoque un principe un peu démocratique, c'est que, en tant que conseiller communal, on se sent souvent démuni lorsque, en commission de budget, on doit se pencher annuellement sur l'évolution de gros chantiers. C'est un sujet qui est régulièrement évoqué et on se rend compte qu'on est bien démuni en tant que conseiller communal pour juger de la sortie de route ou non, budgétairement parlant, d'un gros chantier. Nous savons tous qu'un chantier connaît des aléas, des augmentations de prix liées à des facteurs extérieurs comme des facteurs géopolitiques, des crises énergétiques, etc. Mais ça resterait tout de même intéressant et instructif pour un conseil communal, de pouvoir disposer d'outils que serait une sorte de tableau de bord dédié à certains gros projets, et il y en a quelques-uns dont notre ville peut s'enorgueillir d'être concernée, pour lesquels nous pourrions, au fil des années, voir quel était le budget qui avait été imaginé ou plus planifié à l'origine, à la genèse de ces projets, et voir comment ceci évolue tant à l'actif qu'au passif. Et je rejoins là ce qui avait été évoqué en commission. On sait bien qu'un budget, au départ, peut évoluer, que ce soit dans la manière dont on va
le financer. Un projet va évoluer quant à son financement, mais également quant aux nécessités de dépenses liées à des aléas externes. Mais ça reste toujours instructif pour un conseil communal de pouvoir jauger de l'évolution de gros chantiers sur la durée. Nous ne disposons pas actuellement d'un tel outil, mais je pense qu'il serait d'une saine démocratie que nous puissions disposer d'un tel outil. Il nous a été répondu à plusieurs reprises... Je vais faire une proposition après. OK. Il nous a été répondu à plusieurs reprises que sur le plan du débat concernant une modification budgétaire ou un budget, on sort des clous de l'analyse comptable stricte, j'en conviens, mais ça reste un outil qui me paraît légitime d'être mis à la disposition des conseillers communaux. Okay, plus tard. Madame Martin. Je rejoins M. Brodkorn, c'est plutôt lui qui me rejoint, puisque c'est une suggestion que j'ai faite moi-même à la Commission. Mais quand je serai bourgmestre, vous serez... Mais nous étions d'accord. Premier Échevine. Alors, mais effectivement, on a souvent l'impression ici que nous ne disposons pas d'une information suffisante pour voter en bonne conscience par rapport à des sujets que vous nous soumettez. Et c'est quelque chose de très régulier. Donc, et effectivement, M. Senel nous a bien fait parvenir des compléments d'information, mais c'est vrai que l'aspect purement comptable n'est pas vraiment celui qui nous guide et qui nous motive quand il faut se prononcer pour un vote, quoi. Et donc, on aimerait bien qu'à l'avenir, on ait une information beaucoup plus claire et beaucoup plus compréhensible par l'ensemble des conseillers. Moi, par exemple, je regarde quand il y a des choses qui arrivent, le temps que ça me prend. Je suis pensionnée, moi, donc j'ai le temps de le faire. Moi, je ne sais pas comment tous les conseillers pourraient faire, alors que la plupart bossent. Et qu'il y a une incapacité là à réellement faire les choses. Donc je pense qu'il y a souvent des votes qui sont prononcés alors qu'on n'a pas trop bien compris la teneur du truc, et ça me semble assez grave. Donc il faudrait effectivement, pour une meilleure démocratie, qu'à l'avenir vous veilliez à ce que les choses soient rapidement compréhensibles. Merci. Ouais. Et pour ce qui concerne le budget, on ne les a jamais approuvés en raison de choix politiques qui, tout au long de cette mandature, ont été orientés vers l'édification d'une ville agréable aux plus nantis, alors que les besoins les plus basiques d'une importante partie de la population ne sont pas rencontrés. Et nous ne trouvons pas ici de modification qui nous fasse changer d'avis, donc on vote contre. OK. Au niveau MR ? Abstention ? OK. La seule chose que je voudrais vous dire, parce qu'effectivement, on vous avait promis des documents que vous avez eus, c'est vrai que ce n'est pas nécessairement toujours digeste, et je peux vous garantir que même moi, parfois, c'est relativement difficile, et heureusement que j'ai dans mon cabinet des personnes extérieures qui peuvent parfois m'éclairer un peu, c'est aussi à ça que ça sert. Mais donc, la proposition que je vous fais, c'est que, de toute façon, vous ne vouliez pas un chiffre pour l'ensemble des différents projets. Il y en avait quelques-uns qui étaient ciblés. Ce serait peut-être bien que vous puissiez me le dire, me réécrire éventuellement en disant tel ou tel dossier, je souhaiterais qu'on ait un éclaircissement, parce que très honnêtement, c'est vrai que quand vous voyez l'ensemble des numéros budgétaires, etc., etc., il y a parfois des sommes qui s'y retrouvent, je comprends tout à fait. Et donc la proposition que je vous fais, c'est qu'il va y avoir prochainement une commission financière au niveau du CPS, et le directeur financier m'a fait tantôt la proposition de venir à cette commission CPS pour éventuellement répondre à vos différentes questions que vous m'aurez préalablement posées par rapport au sujet que vous souhaitez évoquer. Donc il y avait la maison de la culture ou quelque chose dans ce genre-là. Mais si c'est possible à ce moment-là, vous m'écrivez, je le transmets au directeur financier et qui viendra le jour de la commission financière du CPS. OK ? OK. Merci beaucoup. Tu as les votes de tout le monde ? OK. Je vous remercie. Enseignement fondamental ouvre au point 60, c'est la grille des prix pour les repas scolaires. Pas de problème. Vote négatif du PTB, les autres, OK. Votez vos tarifs
et nous continuerons de ne pas le faire. Mais nous notons au passage une légère augmentation des tarifs pour la prochaine année scolaire. Et est-ce que ce n'est pas en contradiction avec les programmes électoraux de vos partis respectifs qui, si je ne me trompe, prônent les repas scolaires gratuits? Donc on vote contre. OK. Toc, les autres. Pas dit. Non, je n'ai rien. Tu voulais intervenir ? OK. Ensuite, au point 61, c'est l'Assemblée générale d'Aurès avec l'ordre du jour. Pas de problème. 62, idem pour IDETA. Pour nous, c'est abstention. Hein. Pour l'ensemble des acteurs communaux ou pour. Pour l'ensemble, oui. Et vous expliquez comment vous abstenez par rapport à l'ordre du jour d'une intercommunale telle qu'IDETA ou IPAL ? On s'abstient par rapport à ça parce que tout simplement, on n'a personne qui y est, on n'est pas à même de juger de ça. OK. Voilà. Mais quand vous serez bourgmestre, vous pourrez y aller. Comme on le fait depuis très longtemps. Donc 62 IDETA, abstention du groupe de Mme Martin. Ah, pardon. Jean-Louis, vote contre. Je ne te demande pas pourquoi, je le sais. OK. IPAL, vous votez pour, sauf Madame Martin. Voilà. Nous en arrivons au point 64 avec le prêt d'une œuvre à Malines. Pas de problème, on retrouve l'unanimité, c'est fantastique. Au musée du folklore et des imaginaires, c'est une restauration. Et l'indexation, renumérisation des collections sur support papier en partenariat avec l'UMONS, c'est une convention, pas de problème. L'unanimité, je vous remercie. Et on peut en arriver tout doucement aux questions. La question de Manu sur l'air, la qualité de l'air dans le Tournaisis, en particulier dans les zones affectées par les activités industrielles telles que Gorin, Avines, Béclé et Vaud. Caroline te répondra. Alors, en ma qualité d'élu local et conscient des enjeux environnementaux qui touchent notre région, je souhaite attirer votre attention sur la nécessité d'action pour surveiller et améliorer la qualité de l'air dans le Tournaisis, en particulier dans les zones affectées par les activités industrielles telles que Gorin-Ramecroix, Avines, Béclé et Vaud. La qualité de l'air est un enjeu de santé publique. D'ailleurs, le Parlement européen a récemment adopté une nouvelle directive visant à réduire les émissions de composants polluants et demande aux pays membres de s'aligner sur les normes établies par l'Organisation mondiale de la santé pour 2030 au plus tard. J'ai constaté que le capteur installé à Avines relève très régulièrement des dépassements de normes en vigueur et des futures normes de 2030. On constate sur le site de Wallonair de nombreux dépassements en 2023. Des normes actuelles, 4 fois pour les PM10, donc les particules en suspension, et les mesures ne sont pas disponibles pour les PM2.5. Des futures normes européennes pour 2030, édictées par l'OMS, 6 fois pour les PM10 et de 59 fois pour les PM2.5. 59 dépassements en 2023 et déjà 13 pour 2024 pour les PM2.5, alors que l'OMS recommande de ne pas dépasser de plus de 2 à 3 fois par an ses recommandations journalières pour des causes de risque accru de cancer du poumon et de problèmes cardiovasculaires. Cette situation est très préoccupante pour nos concitoyens et elle mérite une action rapide de la part des autorités locales. Il est primordial de prendre les devants en mettant en place des mesures efficaces pour assurer le respect des normes de l'OMS et la santé des Tournaisiens. Et 2030, c'est déjà demain. C'est pourquoi je vous demande, quelles sont les actions menées par la commune et la région pour faire respecter les normes actuelles ? Que comptez-vous mettre en place pour que les futures normes soient respectées en temps et en heure ? Il s'agit ici de la santé de nos citoyens. Nous ne pouvons permettre de retard. Un contact régulier est-il pris avec les entreprises à cet égard ? Un programme ou un plan est-il mis en place pour que les émissions diminuent ? La ville peut-elle envisager d'élargir le spectre des mesures du capteur d'Avines et toutes les autres émissions de polluants qui influent sur la santé ? Vous constaterez sur le site Wallonair qu'une corrélation avec les nuisances sonores peut également être faite. Les pics de pollution étant, dans la majorité des cas, durant la nuit, tout comme les nuisances sonores. Afin de pouvoir vérifier les liens entre la pollution de l'air et sonore,
et surtout trouver la source de ces pollutions, un sonomètre peut-il être ajouté à la station d'Avignes ? La commune d'Antoin fait également face aux problèmes de pollution atmosphérique. Afin d'analyser les risques sur la santé des citoyens, 3 capteurs ont été installés afin de récolter les données et d'étudier l'impact sur la santé de leurs citoyens. Ne pourrait-on pas envisager une étude similaire dans nos villages touchés par les retombées de poussière ? Merci d'avance pour vos informations. Cher Emmanuel, en ma qualité d'échevine de l'environnement, je suis comme toi préoccupée par la qualité de l'air sur notre commune. C'est un enjeu de santé publique majeur. Pour bien poser le cadre, précisons que la qualité de l'air est un objectif global qui ne s'arrête pas aux frontières de la commune, ni même à celles du pays. C'est pourquoi il convient d'agir à une échelle régionale et ou transfrontalière. La première étape pour améliorer la qualité de l'air est de disposer de données fiables en temps réel. Il s'agit également de pouvoir rendre ces données disponibles et compréhensibles pour le citoyen. En septembre 2020, la ministre Tellier a mis en place l'outil Wallonair auquel tu fais référence. C'est un outil de prévention sur la qualité de l'air à destination des citoyens, fruit de la collaboration entre l'ICEP, l'Institut scientifique de services publics, et l'AWAC, l'Agence Wallonne Air Climat. Il renseigne à la fois sur la qualité de l'air et au niveau régional sur les niveaux de pollution. Après avoir mesuré et informé, il faut agir. Encore une fois, au niveau régional, en 2023, sur proposition du ministre Philippe Henry, le gouvernement wallon a adopté le plan Air Climat 2030 qui revoit les objectifs de qualité de l'air et les actions nécessaires pour y parvenir. Quels sont les objectifs et les normes recommandées ? C'est une matière complexe, je vais m'efforcer de faire preuve de pédagogie. En 2008, tu le disais, l'Europe adopte une première directive avec des objectifs à atteindre à l'horizon 2020. Une nouvelle directive a été adoptée récemment, en février 2024, qui, elle, fixe des objectifs à l'horizon 2030. Et en parallèle, l'OMS émet des recommandations qui sont des objectifs à atteindre, mais ces objectifs ne sont pas normatifs. Il n'est donc pas possible à ce stade d'imposer leur respect dans un permis d'environnement, par exemple. À ce sujet, un travail politique reste à faire. Si nous regardons les chiffres en détail, pour les particules PM10, la norme, la moyenne annuelle qui est proposée, enfin imposée à l'horizon 2030 par la future directive européenne est de 20 microgrammes par mètre cube. À la station d'Avignes, on note une mesure moyenne annuelle de 14 microgrammes par mètre cube. Pour les particules PM2.5, la future directive impose une valeur moyenne de 25 microgrammes par mètre cube et ce qui a été mesuré à la station d'Avignes est inférieur et respecte encore une fois cette valeur. 10 microgrammes pardon, par mètre cube, pour ne pas se confondre. Alors, il y a eu des dépassements qui sont quotidiens, ça c'est vrai, mais il faut quand même rassurer la population sur le fait qu'au niveau de la moyenne annuelle, on respecte les normes déjà actuellement qui sont fixées à l'horizon 2030. Donc, c'est quelque chose d'important, c'est quand même de rassurer les gens par rapport à ça. Tu évoques plus spécifiquement un nombre trop important de dépassements pour les PM2.5, donc des particules très fines. En Wallonie, 3 secteurs sont responsables de l'émission de ce type de particules. Le résidentiel, avec les feux au bois, l'industrie et le transport. C'est le secteur résidentiel qui est le principal émetteur, avec 46% des émissions de ce type. Alors évidemment, il n'appartient pas à la commune de légiférer sur les systèmes de chauffage, mais nous participons à notre échelle dès que c'est possible, et nous avions d'ailleurs pris part à la campagne régionale La maîtrise du feu, qui met en avant les bonnes pratiques pour garantir une meilleure combustion et limiter ce type d'émissions. Le cadre étant posé, cela dit, nous ne pouvons ignorer que notre commune est située sur un bassin carrier émetteur de particules fines. Pour répondre plus précisément à tes différentes questions, les entreprises émettrices situées sur la commune de Tournai doivent respecter les normes en vigueur, et cela est précisé dans chaque permis d'environnement. Un travail de suivi est effectué par les instances régionales, puisque des rapports réguliers doivent être transmis à l'AWAC, l'Agence Wallonne Air Climat dont on a parlé. Plusieurs entreprises du bassin carrier doivent également organiser, conjointement avec la commune, un comité d'accompagnement dans lequel on retrouve bien sûr des représentants de l'entreprise, des pouvoirs publics et des riverains. C'est ainsi que la ville, représentée par Philippe, en charge des permis d'environnement, participe notamment au comité d'accompagnement de la CCB, mais aussi de SAGREX. Lors de ces comités, une fois par an, un rapport des mesures de qualité de l'air sont présentées. Ces informations sont disponibles pour toute personne qui s'adressera à l'entreprise ou aux riverains. J'en profite pour citer le fait que le comité de la CCB a un site internet dédié et ils sont toujours évidemment demandeurs pour pouvoir communiquer et également être rejoints par d'autres riverains.
Pour ma part, je participe au comité d'accompagnement de l'assaut des MAF. Notre objectif est bien sûr de diminuer au maximum les nuisances pour les riverains et l'environnement, en ce compris la qualité de l'air. Ces comités d'accompagnement sont des lieux d'échange et de dialogue, mais si les normes ne sont pas respectées, c'est à la DPC, Direction de la police et des contrôles, qu'il incombe de procéder aux différentes mesures. Rappelons d'ailleurs que durant cette mandature, la ministre Tellier a doublé le nombre d'agents qui travaillent dans cette direction. Bien sûr, nous n'attendons pas les réunions de comités d'accompagnement pour entrer en contact avec les entreprises ou la DPC. Nous le faisons régulièrement et plus spécialement, évidemment, s'il y a des soucis. Ajoutons également que lors de chaque renouvellement de permis, nous demandons, dans l'avis qui est remis par la commune, qui n'est pas toujours l'instance décisionnaire, même très rarement, d'imposer le bâchage des camions, de prévoir un arrosage des matériaux et des voiries pour limiter l'envolée des poussières, d'interdire les manipulations lors de conditions météo trop venteuses, de limiter les horaires de travail ou d'autres conditions particulières suivant les cas. Concernant l'extension des mesures à d'autres polluants, ce n'est pas une action que la commune peut prendre, mais bien la région. Elle le propose si c'est pertinent et sur sa connaissance des données transmises à la fois dans les demandes de permis et lors des rapports périodiques que je mentionnais. À notre connaissance, il n'y a pas de lien direct entre nuisances sonores et qualité de l'air. J'imagine que tu fais référence au tir de mine, mais voilà, le lien... Mais en tout cas... Qu'est lié... Voilà, mais... Sur la cause. À ce stade, on ne sait pas dire pourquoi, en tout cas. Comme la qualité de l'air n'a pas de frontières, eh bien, la ville, évidemment, échange régulièrement avec la commune d'Antoin. Ainsi, tu te souviens sans doute que nous avons réuni l'ensemble des entreprises du bassin Carrier, y compris les grands transporteurs, à l'hôtel de ville il y a quelques mois, je dirais même un peu plus d'une grosse année, mais en présence du bourgmestre d'Antoin. Lors de cette réunion, les entreprises étaient engagées sur base volontaire à systématiser le bâchage des camions, que ce soit des camions pleins ou des camions vides. C'est une mesure importante déjà, évidemment, en matière de réduction des poussières. À l'issue de cette réunion, les deux communes ont proposé de procéder à des mesures de la qualité de l'air. C'est dans cette démarche que la commune d'Antoin a fait installer récemment avec AirScan les trois capteurs que tu mentionnes. Mais je précise que c'est une démarche conjointe et que trois capteurs viennent d'être installés également le mois dernier à Tournai. Plus précisément, les trois lieux, c'est le long de la Nationale 501 au carrefour entre la route industrielle et la rue du Tronc de Loire à Vaux, la rue de l'Almanarque à Cherques et la place de Timougy. Il va de soi que lorsque ces mesures seront connues et analysées, les données seront communiquées plus largement. Voilà, j'espère avoir pu te transmettre tous les éléments pour te rassurer sur nos préoccupations communes et notre volonté d'agir à notre échelle pour une meilleure qualité de l'air et préserver la santé de nos concitoyennes et concitoyens. Le sonomètre, est-ce que ça c'est possible ou pas ? Voilà, pas prévu dans notre campagne de mesure de la qualité de l'air. On a des échanges réguliers avec la direction des polices et contrôles. En fait, dans un premier temps, quand il y a un problème de bruit, on contacte l'entreprise pour voir si elle, déjà, sait à quoi c'est dû. La plupart de ces entreprises ont un conseiller en environnement et ça fait partie des mesures qu'ils doivent mettre en place. Parfois, ils ont vraiment identifié la cause, parfois pas. La grosse difficulté, c'est de savoir quelle est l'entreprise concernée. Ça, tu le sais aussi, comme il y en a plusieurs dans la région. Bon, parfois, c'est un coup dans l'eau et puis on poursuit. Donc, on peut toujours mettre des sonomètres, mais pour ça, on doit faire appel à la direction des polices et contrôles. Parce que ça, je trouve que ce serait vraiment intéressant d'avoir à un endroit, enfin, à des endroits fixes, des sonomètres, puisqu'ici, à chaque fois, les entreprises surjettent la balle. La fois passée, j'ai même une société qui m'a dit « mais non, c'est l'autoroute ». Enfin, j'habite près de l'autoroute depuis des années, je sais très bien différencier les bruits. Donc, on ne sait pas, à chaque fois, on ne sait pas se baser. La police de l'environnement ne sait pas non plus. Mmh. Il nous manque des données fiables et objectives, en fait. Puisqu'ainsi, c'est toujours des ressentis. Et les riverains, parfois, ça part un peu dans tous les sens, puisqu'ils incriminent une mauvaise société. Et donc, ça, je trouve qu'il faudrait avoir des données plus objectives. Concernant la communication, j'ai quand même moi beaucoup de riverains qui se plaignent d'un peu, quand ils envoient que ce soit à la police, parce que souvent ils se tournent vers la police locale, ou parfois aux services communaux, ils n'ont pas souvent de réponse. On les laisse un peu mariner, c'est ce qu'ils me disent. Ils ont l'impression qu'il n'y a rien qui bouge et ils ne savent pas surtout vers qui se tourner. Donc ils appellent souvent le 18. Et là aussi, pareil, on prend en compte, mais ils n'ont pas l'impression d'avoir des suivis. Et donc, c'est pour ça que j'ai relayé un peu et j'ai condensé un peu pour faire cette question, parce que je trouve qu'il y a un défaut un peu d'information.
En fait, au niveau des polices locales, hein, puisque souvent les riverains ils téléphonent, même parfois dans les districts, où il n'y a pas spécialement des personnes qui ont c'est faute de temps et de mission, hein, c'est connaissance approfondie des permis. Parce que finalement, pour savoir si l'entreprise est en infraction, mais il faut vraiment se plonger dans le permis d'environnement. Et parfois, quand l'entreprise est, pour prendre a eu un permis et beaucoup de permis complémentaires, c'est des dossiers qui sont vraiment très complexes. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire appel à la police de l'environnement. Maintenant, c'est vrai que les riverains n'ont pas toujours un suivi. Je comprends bien que quand ils appellent la police de l'environnement, ils ne sont pas toujours informés. Mais c'est vraiment à ce niveau-là qu'on doit réussir à améliorer la communication, la collaboration, parce que là, on a affaire à des personnes qui sont formées pour ça. Oui. Et je voulais quand même dire une chose, c'est que tous les riverains que je contacte régulièrement ou qui me contactent, et moi-même qui habite à Gorin, on sait très bien, quand on vient habiter dans un bassin carrier, qu'il y a certaines nuisances. Il y a quand même une chose, c'est le bâchage des camions. J'entends bien, et je travaille dans la construction, je sais que c'est pas très respecté, mais je vois pas non plus souvent des contrôles. Et donc ça, c'est un peu compliqué à mettre en action. Sur la question de l'obligation, puis je laisse Paul Olivier sur les contrôles, mais en fait, c'est l'obligation actuellement sur la voie publique. Il n'y a pas d'obligation de bâchage. Il y a déjà eu des questions parlementaires qui ont été posées, hein, notamment par Laurent. Il y a eu un refus de le faire. Donc ça doit être imposé petit à petit dans chaque permis. Et il faut pouvoir identifier de quel site le camion partait ou arrivait. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on fait au fur et à mesure. Et c'est pour ça qu'on avait réuni aussi toutes les entreprises pour qu'elles le fassent sur base volontaire. Mais sur base volontaire, elles n'ont évidemment pas encore l'imposition, mais c'est en train de se transmettre petit à petit. Et surtout, les entreprises de transport sont en train, ont même pour beaucoup déjà équipé leur camion. Après, il faut encore que les chauffeurs fassent la manœuvre. Mais quand la police fait un contrôle, je peux vous dire que ça circule très vite. Et pendant quelques semaines, on est... Non, c'est parce que j'ai l'impression ici que vous êtes en train de faire un petit dialogue. Vous pouvez vous rencontrer ce soir, aller boire un verre entre vous, etc., etc. Mais si je ne mets pas fin, je pense que ça va durer longtemps. Pour les contrôles, je peux te garantir que parfois la police en fait maintenant, voilà. Je propose peut-être à Madame Margam de poser sa question concernant le boulevard Eisenhower et Laurence répondra. Monsieur le bourgmestre, puisque mon micro a encore été attaqué, j'ai reçu un micro de secours. Votre micro ne va plus ? Mon micro est de nouveau défectueux. Je vous jure que ce n'est pas moi. J'espère que ce n'est pas vous. Non, je vous assure. On se croirait dans le film « La vie est un long fleuve tranquille ». Mais non, je vous jure que ce n'est pas moi. Non. Alors, si j'avais un micro à couper, ce n'est pas celui-là que je ferais. Mais écoutez, franchement, je pourrais le croire. Je pourrais le croire. Donc, allez-y. Vos services sont en train de faire un petit périmètre de sauvegarde pour moi. Ils luttent contre vous. Alors, monsieur le bourgmestre, depuis que le terminal des TEC a été déplacé sur le boulevard Eisenhower, l'état de ce boulevard n'a cessé de se dégrader, c'est de commune renommée. Les riverains, de même que les autres usagers du boulevard, aussi bien piétons qu'automobilistes, s'en sont à plusieurs reprises, à juste titre, émus. La presse s'est également fait l'écho de ces inquiétudes et certains membres de votre collège communal ont d'ailleurs apporté des réponses aux interrogations des citoyens et des riverains. Pas plus tard d'ailleurs qu'à l'inauguration des aménagements de la rue Royale, fort bien faite d'ailleurs, on a abordé dans le discours de M. Léjevin-Robert quelques aspects qui ont trait à cette question. Nous savons déjà que les travaux de la gare bus ne commenceront pas avant la fin de cette année, ce qui signifie que les bus seront là au moins jusqu'en 2026, sauf erreur de ma part, mais là, vous corrigerez. Et dans le même temps, Mme Léjevin, en charge des travaux, a expliqué que les ouvriers communaux intervenaient à chaque fois que sont signalées des situations dangereuses à cet endroit. Léjevin de la mobilité a quant à lui rappelé que les travaux de réfection totaux, donc plein et entier du boulevard Eisenhower, ne seront entamés qu'après le départ définitif de la gare provisoire des bus, je l'ai dit, et il y a une certaine logique à cela, bien entendu, mais je me demande quand même si cette logique n'est pas dépassée par l'ampleur des dégâts qui sont causés au quotidien par le passage d'engins lourds. D'ailleurs, quand on circule en venant du pont du viaduc vers le pont Morel,
on est presque obligé de circuler au milieu de la voirie pour éviter de dégrader son véhicule. Mes questions sont les suivantes. À quelle fréquence les agents de la ville doivent-ils intervenir pour procéder à des réparations de voirie sur le boulevard Eisenhower? Ensuite, comment sont rapportés les dégâts aux autorités? Est-ce via des interpellations citoyennes ou par le biais d'une inspection des agents de la ville? Le cas échéant, à quel rythme seraient effectuées de telles inspections? Troisièmement, le coût des interventions répétées de la ville a-t-il été chiffré? Si oui, pouvez-vous nous le communiquer? Quatrièmement, où en sont les négociations avec l'opérateur de transport de Wallonie pour son intervention dans les coûts de ces réparations? Cinquièmement, d'éventuelles réclamations en réparation et ou dommages et intérêts ont-elles été introduites par des particuliers contre la ville en raison de l'état de la voirie du boulevard Eisenhower? Sixièmement, sur base des pertes, entre guillemets, que subit la ville qui doit réparer plus que souvent la voirie du dit boulevard, avez-vous procédé à une comparaison coût-bénéfice qui commanderait d'entamer plus rapidement la réfection complète du boulevard? Sinon, cela ne risque-t-il pas d'alourdir le prix de cette réfection? Et si cela devait être le cas, pouvez-vous nous assurer que cela ne dépassera pas ce qui est prévu dans le plan d'investissement 2024-2026? Je vous remercie déjà pour vos réponses. Laurence. Madame la conseillère Marie-Christine, ta réponse met une fois de plus en lumière toute la difficulté que nous avons au service des travaux de gérer des problématiques causées par l'intervention d'autres niveaux de pouvoir ou d'autres entreprises. Bien souvent, les citoyens pensent que chaque nid de poule, chaque trottoir enfoncé relève de la compétence de la ville. Je te remercie justement de ne pas faire ce raccourci ce soir. Ta question n'est nullement critique, mais met justement en avant l'impact humain et financier pour la ville de ce déplacement de la gare Tech sur le boulevard Eisenhower qui nous appartient. Jusqu'à présent, nos services font des réparations sommaires, en béton à prise rapide, mais la voirie est attaquée. Le béton, même à prise rapide, n'a pas vraiment le temps de sécher. Les emplâtres de tarmac ne font pas long feu. Rien d'étonnant, puisque la circulation des bus est maintenue et les torsions que ce charroi lourd effectue sur la voirie réduisent quasi à néant toutes les interventions communales. Pour répondre plus spécifiquement à ta question, sache que nous intervenons environ toutes les deux semaines, à la fois pour sécuriser, replacer les filets d'eau ou les remplacer, réfectionner le bord de route, mettre du béton ou de l'asphalte quand c'est possible. Chaque intervention nécessite la présence de deux ou trois hommes, de plus ou moins un mètre cube de béton, d'une centaine de kilos d'asphalte à froid et de pratiquement deux heures de travail aux heures où les bus sont les moins fréquents. Comme pour toute grosse problématique, et singulièrement sur une voirie fort fréquentée, les appels ou postes des citoyens sont nombreux. Depuis que je suis à l'Égina, je reçois chaque jour des dizaines de messages via Messenger où on m'identifie dans des postes. Mais je rappelle aux citoyens que la meilleure façon de prévenir d'un avaloir bouché, d'un nid de poule, est le mail avec une petite photo et les coordonnées de l'endroit sur info-travaux@tournée.be. Ou si, bien entendu, ils le souhaitent sur mon mail personnel. Et donc, je remercie les citoyens de nous avertir, car ils sont nos yeux, et ni l'administration ni moi ne pouvons parcourir toutes les rues de l'entité chaque semaine ou vérifier que les avaloirs ne sont pas bouchés. Mais bien entendu, dans le cas qui nous préoccupe, à savoir la dégradation du boulevard Eisenhower, pas besoin d'alerte, puisque nous avons pris le parti de passer vérifier chaque semaine. Et il n'est pas rare que si l'un ou l'autre agent de l'administration, en passant par là, voit une dégradation un peu plus dangereuse, il interpelle de suite le brigadier du service voirie pour intervenir à la minute, la situation ne pouvant attendre la programmation d'une intervention suivante. Il est vrai que cela a un coût, mais il est difficile de préciser le montant exact, car comme je viens de le dire, parfois nous intervenons en passant, alors que les hommes sont en route pour une réparation ailleurs. Mais le coût est plutôt humain que réellement financier, puisque nous nous limitons à des réparations de surface. En tout cas, vu les quantités que j'énonçais avant, je dirais qu'on devrait tourner aux alentours de 2000 à 2500 euros depuis 6 mois. Rien qu'ils ne mettent donc en péril les budgets communaux ou du PIC prochain. Quoi qu'il en soit, la sécurité des usagers n'a pas de prix. Même si nous sommes d'accord
que pour que le citoyen et la commune n'aient pas à supporter le coût de ces réfections indéfiniment. C'est pourquoi le bureau d'études Voirie et mes homologues en charge du dossier de la gare TEC et de la mobilité ont, dès l'apparition des dégradations, négocié avec le TOE afin qu'une réfection du boulevard et des accotements soient réalisés à leurs frais. Bien que l'OTW ait marqué son accord, tu n'es pas sans connaître la lourdeur des procédures administratives et de marché public. Mais je suis heureuse d'annoncer que l'OTW a lancé son marché de réfection et que nous pouvons espérer qu'une entreprise remettra prix et pourra réaliser les travaux à leur reprise du mois d'août et en partie durant les vacances scolaires afin de limiter l'impact de la circulation, sur la circulation. Je ne te cache pas que d'ici là, j'aurais aimé que le boulevard soit interdit à la circulation dans le sens viaduc Pont-Morel, à l'exception bien sûr des bus et des riverains. Mais les déviations auraient emprunté des rues étroites et non adaptées à un charroi important. Ou alors le flux venant de Quin aurait été déporté sur les boulevards et nous aurions sans doute connu d'autres engorgements importants aux heures de pointe. À ce stade, la police qui a été interrogée n'a pas estimé que cette fermeture soit nécessaire et impérative pour la sécurité de ceux qui l'empruntent. Pour l'heure et dans l'attente de la réfection, de la signalétique a été installée et la vitesse réduite par un arrêté de police à 30 km/h. Mais cela n'évitera pas les demandes de dédommagement. Le service assurance en a reçu une dizaine à ce jour. Et ces dossiers sont actuellement en cours de traitement. Je ne sais pas comment, à l'heure actuelle, les assurances réagiront, car la situation étant connue de tous, le conducteur ne peut invoquer l'événement soudain. À titre personnel, je préconiserai en tout cas, à moins qu'il n'en ait pas le choix, aux automobilistes, mais surtout aux cyclistes, de ne plus emprunter le boulevard dans ce sens. Je remercie Madame Lejevine pour sa réponse très très complète qui donne un état précis de la situation et j'attends avec impatience, comme vous, la réfection qui devrait intervenir après la désignation de l'entreprise dans les semaines à venir. En tout cas, le message est clair. C'est vrai que j'emprunte souvent cette route et je crois que peut-être je dois en perdre un peu l'habitude, c'est dommage, mais pendant un certain temps, comme d'autres personnes, d'autres automobilistes, c'est pas toujours évident de changer son itinéraire, surtout aux heures de pointe, mais ça va devenir nécessaire étant donné le degré de dégradation dans ce sens-là de circulation. Merci. Merci beaucoup. Benjamin, l'installation des points d'apport volontaire. Monsieur le bourgmestre, mesdames et messieurs les échevins, chers collègues, des PAV, points d'apport volontaire, ont été installés dans la commune de Tournai pour récolter les déchets organiques de cuisine. Leur accès est gratuit, partenariat avec IPAL. L'initiative est excellente, mais certains Tournaisiens trouvent que les points de récolte ne sont pas assez nombreux. À Froyenne, par exemple, un point d'apport volontaire se trouve au cimetière. Certains habitants sont obligés de prendre leur voiture pour s'y rendre, je pense notamment aux personnes âgées. À pied, ils mettent plus de 20 minutes pour y arriver. Serait-il possible de multiplier ces points d'apport volontaire afin de les rendre plus facilement accessibles et attractifs ? L'idéal serait d'en mettre davantage dans chaque quartier, ce qui, sans nul doute, augmenterait leur efficacité. Merci pour votre réponse. Voilà. Cher Benjamin, merci pour ta question qui me permet de refaire le point à nouveau sur le réseau de points d'apport volontaire. Je te rappellerai juste que François avait posé une question très complète sur les déchets organiques au mois de janvier, l'organisation du tri, le réseau de la collecte, la communication de ces changements, etc. Ta question est très courte, ma réponse le sera également. Maintenant, si ta réplique était beaucoup plus longue, je compléterai évidemment au besoin. Depuis le début de cette mandature, nous avons complété le réseau des points d'apport volontaire, tant pour les déchets organiques que pour les sacs blancs. Là, c'est spécifique à l'intramuros. Il y a maintenant 45 sites sur l'ensemble de l'entité et un point d'apport volontaire a été installé dans chaque village. Il y en a deux encore en attente à Ramnichin et Pleuchin. Au total, c'est plus de 37 points d'apport volontaire organique qui ont été installés, auxquels il faut en ajouter 21 supplémentaires, mais pour d'autres fractions, le vert, les sacs blancs. Au total, la majorité a consacré à cette installation un budget de plus de 500 000 euros. Alors évidemment, ce réseau peut être complété, mais je préciserai qu'aujourd'hui, un point d'apport volontaire
pour des déchets organiques coûte 14 000 euros. Et donc cela peut être fait en fonction des moyens disponibles à la commune. On en a parlé un petit peu plus tôt. Suivant la future majorité, ce qui est envisagé, c'est pour 2025 d'ajouter un point d'apport volontaire pour les sacs blancs dans chaque village. Je précise que les Tournaisiennes et Tournaisiens peuvent utiliser tous les points d'apport volontaire de notre entité au niveau organique et également des communes limitrophes. On peut donc essayer de mutualiser les déplacements quand c'est possible, par exemple quand on se rend au travail, à l'école ou vers un commerce. La liste complète des points d'apport volontaire est référencée sur le site de la commune ainsi que sur celui d'IPAL. Dernier petit rappel, le compostage à domicile, parfois plus facile dans les villages qu'en ville, reste une solution qui est promue par la commune. Il est possible d'obtenir un subside pour l'achat du matériel de compostable, toujours en partenariat avec IPAL. Voilà. Merci Caroline pour ta réponse. Désolé à mon collègue François si j'ai été redondant avec sa question du mois de janvier. Peut-être n'avais-je pas été assez attentif à la question qu'il avait posée. Toujours est-il qu'il n'est jamais inintéressant de reposer certaines questions lorsqu'elles ont un intérêt public et que ça permettra à nos concitoyens de se rappeler les diverses possibilités dont ils disposent pour se débarrasser de leurs déchets organiques. Néanmoins, je n'ai pas non plus retenu que tout était idéal, tout était rose dans notre belle ville, puisque ce que je constate, c'est que nous pouvons encore mieux faire pour faciliter la vie de nos concitoyens qui vivent une drôle d'époque où on leur demande de payer de plus en plus cher pour l'évacuation de leurs déchets, on leur demande de plus en plus d'aller porter eux-mêmes leurs déchets, de les trier, alors que le système des collectes devant leur domicile a tendance à se restreindre. Toujours est-il, je constate, pour avoir moi-même, en préparant cette question, consulté le site de la ville de Tournai, je constate qu'il y a un certain maillage de points d'apport volontaire qui est relativement dense en centre-ville, en intramuros, mais il est loin d'être parfait. Parfois parce qu'on le place à des mauvais endroits, je ne vais pas revenir sur la polémique de l'église Saint-Jacques, mais il y avait peut-être d'autres endroits plus sympathiques. Parfois parce qu'il en manque tout simplement dans un quartier entier. Je vois par exemple qu'on pourrait en placer un au parc Brassens. Mais bon, est-ce que notre bourgmestre en sortant apprécierait cela, je ne sais pas. Blague à part, il y a aussi moyen, je pense, de densifier le maillage des points d'apport volontaire dans nos villages. L'exemple de Froyenne me paraît un bon exemple, mais je vois qu'il y a plein d'autres endroits comme Aquin où on a certes quelques points d'apport volontaire, mais ils mériteraient dans ces zones certes dites villageoises, mais quand même fort densément peuplées, qu'on ajoute davantage de points d'apport volontaire. Donc, on ne fera pas tout de suite, bien entendu. Tout est une question de budget, mais j'encourage cette majorité, comme les suivantes, à poursuivre leur effort. Merci. Merci beaucoup. Alors, le 24 juin, vous aurez l'occasion de voir Albanie-Espagne, ou alors Croatie-Italie, ou alors de venir au Conseil communal. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée. Je sens qu'elle voulait m'en rappeler.